Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Ollier, le responsable marketing de la société ERM. Donc, c'est encore avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui aussi nombreux à ce nouveau webinaire donc, sur le thème de l'industrie 4.0 qui va être présenté par Sébastien. Juste un petit rappel, donc, ce webinaire est retransmis en live sur notre chaîne YouTube. Qui permet, on va dire, à vos élèves de partager le lien. Et vos élèves peuvent le suivre en direct sur cette chaîne. Il fait également l'objet d'un enregistrement où derrière nous mettrons sur la plateforme Vimeo. Et dans le prochain mail d'invitation, je fais un petit résumé en fin de mail de tous les liens vers les différentes vidéos, vers les différentes vidéos. Juste un petit aparté sur le fonctionnement. Donc, vous avez en bas trois petits boutons, en principe, Q et R, qui sont, on va dire, un bouton question-réponse. L'idée de ce bouton, c'est au fil de la présentation, si jamais vous avez des questions sur quelque chose voilà, que vous aimeriez approfondir, enfin, voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à la taper. En fin de webinaire, j'essaierai de balayer toutes les questions et avec Sébastien, on essaiera d'y répondre. Vous avez également un petit bouton qui s'appelle « Converser ». Vous pouvez taper également dessus vos questions, vos questions-réponses. Sébastien, là, le converser, mais bon, il n'a que les deux, trois dernières. Ouais, c'est ça, j'ai les deux, trois dernières lignes des conversations, donc j'essaye voilà. De répondre au fur et à mesure et que ça soit le plus interactif possible, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai mes élèves qui sont sur YouTube à côté, auxquels j'essaye de répondre aussi. Donc, voilà, c'est pas tout le temps le plus facile. Voilà. Et vous voyez également, dans les présentateurs, nous sommes en présence de Hugo Jouanneau, Lionel Punisson et Laurence Roulac. Donc, Hugo Jouanneau, je répète, il couvre toute la région Grand Est, Nord-Est, avec tout ce qui est également les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région Centre. Il me donnera son email. C'est son email si vous voulez avoir de plus amples informations. Lionel Pénichon, lui, qui part de la Haute-Normandie jusqu'à... Enfin, la Haute-Normandie, excusez-moi. Maintenant, il s'appelle la Normandie, de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Et Laurence Moulac, qui s'occupe du Grand Sud-Est, avec toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et l'Occitanie. Voilà. Sur ce, je vais pas monopoliser plus la parole et je vais la céder à Sébastien. Juste pendant le webinaire, je vais couper ma webcam, ma caméra, pour laisser la bande passante et ne pas être trop embêté par ces histoires de bande passante. On est nombreux en ces temps un peu compliqués à utiliser Internet et voilà. Donc, Sébastien, je te laisse la parole. Ça marche. Bon, petite présentation rapide, comme à chaque début de webinaire. Donc, moi, je suis enseignant de l'Académie de Nice au lycée professionnel Léon Chéris. Donc, je cherchais une solution de continuité pédagogique pour mes jeunes en formation au lycée. Il a fallu qu'on trouve des solutions de vidéoconférence qui tenaient. Donc, je savais que ERM avait une solution à licence qui permettait justement de faire des webinaires et qu'on n'ait pas trop de problèmes justement de flux et de blocage de serveurs. Donc, je leur ai demandé s'ils voulaient bien me prêter l'accès pour que je puisse travailler avec mes élèves. Et bon, bien entendu, ils ont accepté et ça me fait énormément plaisir parce que ça nous permet de travailler. Et on a décidé avec Frédéric Ollier et avec toute la société de dire, ben voilà, bon, pourquoi pas essayer de partager encore plus avec tout le monde. Donc, le but du jeu de ces webinaires, c'est justement d'être... de partager des recherches, des travaux qu'on a exécutés. Alors là, pour l'instant, je vais vous faire une présentation de l'industrie 4.0. On n'a pas pour prétention de dire qu'on a la science infuse et qu'on a raison sur tout. Voilà, c'est par rapport à diverses recherches, divers travaux déjà exécutés, aussi bien dans nos ateliers que chez ERM Automatisme, qu'on essaiera de vous présenter une partie de l'industrie. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler aussi de l'évolution et la révolution industrielle qui a eu lieu au fil du temps. Donc voilà. Donc on va démarrer cette partie industrie 4.0.
J'espère que je vais être dans les clous parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais que Fred, ça le fait rire de suite parce que je dépasse à chaque fois le temps des webinars. Là, je pense que je vais aussi le dépasser, désolé, hein, mais j'ai essayé de faire le plus simple possible. Mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. Et en plus, on n'en est que dans les prémices, hein, même si ça, depuis un petit moment, l'industrie 4.0, on en est quand même dans les prémices de la technologie, de la mise en place. Donc, c'est vrai qu'on va se retrouver. À mon avis, encore un peu hors des clous. Mais bon, on va attaquer. Donc, toujours pareil, hein, moi, je fonctionne toujours de la même façon, hein, c'est-à-dire que j'aime bien la partie découverte pour mes jeunes. C'est-à-dire que dans toutes les applications que je peux créer sur application tablette, web ou ainsi de suite, j'aime bien leur mettre des vidéos qui les mettent directement dans la posture d'où on était. C'est-à-dire que là, j'ai extrait quatre petites vidéos d'Internet qui nous montre des choses assez sympathiques. Alors déjà, bien entendu, l'industrie 4.0, hein, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, c'est un terme qui est quand même utilisé au départ par l'Allemagne. Nous, on était entreprise du futur en France. On a commencé à dériver avec usine 4.0. Bon, après, maintenant, on commence à tous utiliser le même terme. Au départ, en France, c'était l'entreprise du futur. Notre mode de communication se transforme. Au cours des dernières années, un tournant important a eu lieu. Comme à l'époque de nos parents et grands-parents, la communication directe et orale reste déterminante. Toutefois, l'échange d'informations se fait toujours plus par voie numérique. Nous sommes aujourd'hui connectés à différents réseaux et pouvons accéder à nos données depuis pratiquement partout. La numérisation de la communication a également lieu dans l'industrie. Elle influence la façon dont l'homme et les machines interagissent. En même temps, les machines sont capables d'échanger des informations et de former des systèmes autonomes. Les progrès technologiques suivants accélèrent cette transformation. Premièrement, les capteurs sont toujours plus petits, mieux connectés et meilleur marché. Deuxièmement, des processeurs plus rapides et des capacités de mémorisation plus grandes permettent d'obtenir des puissances de calcul plus élevées à moindre coût. Et troisièmement, les réseaux globaux nous permettent de communiquer indépendamment du lieu où nous nous trouvons. Grâce à ces progrès, la production industrielle atteint une nouvelle dimension. Depuis l'invention de la machine à vapeur, le progrès a passé des premiers convoyeurs et de l'automatisation croissante de la production aux systèmes modernes et interconnectés que nous connaissons aujourd'hui. Il est question d'industrie 4.0. Machines, hommes et procédés sont reliés entre eux et toutes les informations importantes sont traitées en temps réel. Autrefois, l'industrie était très structurée, statique et fortement caractérisée par la hiérarchie. Plus elle progresse, plus elle se transforme en une industrie interconnectée, organisée de manière dynamique, flexible et décentralisée. Pour les entreprises, la numérisation ne reste pas sans conséquences au niveau de la mise en réseau horizontale et verticale. Au niveau de la dimension verticale, la manière dont une entreprise organise sa production change. Cela signifie que les systèmes informatiques se mêlent à la production industrielle. La mise en réseau horizontale tient compte de la manière dont l'entreprise s'organise avec d'autres entreprises. Ici, on observe un processus automatisé tout au long de la chaîne de création de valeur et même de l'ensemble du cycle de vie des produits. La numérisation permet de réunir et de traiter des quantités de données incroyables, ce qui permet de pratiquer l'innovation à plusieurs niveaux. En voici trois exemples. Grâce à la numérisation des procédés le long de la chaîne de création de valeur, l'entreprise A réussit à augmenter sa productivité, à réduire les temps de passage et à optimiser sa production. Ainsi, elle obtient des avantages en termes de coûts. L'entreprise B produit des smart products en équipant ses machines de fonctionnalités intelligentes. Grâce à la mise en réseau des machines, l'entreprise B est en mesure d'en surveiller le fonctionnement directement chez le client et d'effectuer des travaux d'entretien à distance. Pour le client, ce nouveau genre de service représente une valeur ajoutée. La numérisation est à l'origine de nouveaux modèles commerciaux. L'entreprise C, par exemple, met en place un modèle commercial basé sur Internet. Avec sa plateforme, elle offre à sa clientèle la possibilité de développer des nouveaux produits et de les livrer en fonction des besoins individuels. En résumé, Industrie 4.0 implique un changement considérable et comporte un énorme potentiel. Globalement, la numérisation dans l'industrie améliore l'efficacité de la production tout en ménageant les ressources.
Elle renforce la compétitivité de la place industrielle suisse et offre de nouvelles opportunités aux entreprises suisses sur le marché mondial. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la voie de l'avenir numérique, un avenir riche en perspectives. Donc voilà, comme on a pu le voir dans la vidéo, c'est une vidéo qui a été pour promouvoir l'industrie suisse, mais en fait, l'ensemble de l'industrie mondiale fonctionne de la même façon. La numérisation, en fait, va nous permettre d'arriver à ce que tous les gens veulent. C'est une individualisation complète des produits. C'est-à-dire que de plus en plus, avant, on achetait des produits sériels, et maintenant, on est de plus en plus à vouloir, on verra sur le design de futur présenté par le groupe PSA, on veut une voiture avec le logo qu'on a envie, la couleur qu'on a envie, le toit de telle couleur, l'aile de telle couleur. Donc, on a envie de personnaliser au maximum nos produits. Donc, dans l'industrie, on a vu que la numérisation était très importante. Il s'avère que cette numérisation nous amène aussi à pas mal de petites choses qui sont en train de se déployer dans les centres de formation, donc, que ce soit les lycées, les CFA ou autres. On va arriver justement à des outils de réalité augmentée ou de réalité virtuelle qui vont nous permettre justement d'aller encore plus loin. Là, j'ai sélectionné deux petites vidéos courtes sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La première sur la réalité augmentée, on va voir comment, c'est l'avis de Schneider, comment Schneider voit la réalité augmentée et à quoi elle va leur servir. La solution de réalité augmentée va permettre de faciliter le métier des techniciens de maintenance au quotidien pour avoir des informations contextuelles et en temps réel qui vont lui permettre de résoudre le défaut de manière intuitive et rapide, puisqu'il va être guidé pas à pas avec un système de tutoriel notamment. L'idée, c'est vraiment de collecter de la donnée et de l'afficher, par exemple, aux opérateurs pour les rendre un peu plus autonomes. En cas de problème, ils vont faire en fait tout ce qui est maintenance premier niveau. Donc là, ça me permet d'ouvrir virtuellement la machine et d'avoir accès aux informations du contrôleur, d'avoir accès, par exemple, au schéma électrique. C'est disponible sur toutes les machines. Il n'y a pas besoin que ce soit du matériel Schneider. On peut vraiment s'interconnecter, on est ouvert. Grâce à l'usage de la réalité augmentée, demain, on va réduire considérablement son temps lié à la recherche d'informations. Et on va aussi réduire son temps d'intervention. Et ça, c'est les deux atouts de la solution de réalité augmentée. Donc, on voit que la réalité augmentée, en fait, dans un premier temps, elle va nous servir justement à gagner du temps au niveau documentaire. Vous imaginez bien que on a tous des systèmes industriels ou autres dans nos ateliers. Quand on se retrouve avec une base documentaire éparpillée dans des classeurs ou utilisée par des élèves qui ont moins de précautions que nous, on va dire, on va se retrouver avec des morceaux manquants régulièrement dans nos ateliers, puisque les classeurs, ils vont sortir des feuilles, ils ne vont pas les remettre au bon endroit. Donc, c'est vrai qu'on va gagner énormément de temps grâce à la réalité augmentée pour justement intervenir, ce qui va permettre aussi aux techniciens, alors de maintenant ce coup-ci plus que des techniciens électriciens, mais pourquoi pas, mais les techniciens de maintenant, c'est vrai que pour eux ils vont avoir un avantage, c'est qu'ils vont pouvoir arriver sur site, sur un système qu'ils ne maîtrisent pas spécialement, et donc justement de récupérer toutes les données directement avec leur tablette en flashant la machine. Alors bien entendu, tout ça nécessite une préparation à amont, c'est-à-dire que c'est pas en prenant une tablette, je vais pas me filmer une machine et elle va me donner toutes ces informations. Donc derrière, ça nécessite une grosse préparation. Mais on voit que l'industrie tourne de plus en plus autour de cette réalité augmentée, justement, pour simplifier leur base documentaire et s'assurer d'être à jour en permanence. On peut arriver sur un système, si le schéma n'a pas été remis à jour après une intervention, ce qui arrive assez régulièrement. Les papiers sont pas bons. Par contre, au niveau de la tablette, la partie bureau d'études derrière a pu tout mettre à jour, et donc quand le technicien retourne sur le système, tout a été modifié et il se retrouve avec les documents qui correspondent à ce qu'il a devant les yeux. Donc ensuite, on a la réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle, donc c'est un peu différent, on aura l'occasion d'en reparler un peu après dans les différentes explications de l'industrie 4.0. Après, réalité virtuelle, là on va carrément s'immerger et on va pouvoir par exemple travailler des gestes techniques avant de les faire en réel pour justement éviter tout problème. Alors là, je vais vous montrer une vidéo qui appartient à la société ERM, mais moi, je l'ai eu le cas sur une usine à Lyon où ils faisaient des interventions sur les postes haute tension. Quand ils faisaient des interventions, ça nécessitait de mettre trois personnes, une responsable de l'usine,
une qui était de chez Enedis et une qui était de chez RTE par rapport au poste de transformation haute tension. Et quand ils faisaient les manœuvres, bah, s'ils se trompaient pendant les manœuvres, et bah, ils étaient en capacité de couper l'usine entière. Donc couper l'usine entière, c'était des coûts faramineux. J'ai un ordre d'idée en tête, c'était 1 million, à l'époque c'était 1 million de francs, 1 million de francs de l'heure, je crois, s'ils coupaient l'usine. Donc ils ont été ramenés à justement utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir prendre en charge des essais, c'est-à-dire faire des entraînements avant d'aller sur le site en réel, c'est-à-dire d'exécuter les manœuvres pour s'assurer que ça fonctionne. Donc là, on va prendre, pardon, c'était pas celle de RM, c'était celle de GRT Gaz, où ils font un poste de détente de gaz. Donc vous imaginez le danger qu'il peut y avoir quand on fait une manœuvre de détente de gaz. Donc le principe, là, c'est pareil, c'est-à-dire de s'assurer des bons gestes pour faire une vérification de pression sur un poste d'alimentation gaz. Vous imaginez les pressions qu'il peut y avoir là-dedans et le danger qu'il peut y avoir si on fait des mauvaises manœuvres et qu'on met en surpression une installation de gaz. Donc là, on se rend compte qu'en fait, la personne est dans une salle et qu'à partir d'une salle de la société, il est capable de s'entraîner sur les différents postes. Là aussi, ça nécessite beaucoup de préparation. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de déployer, de développer ces solutions de réalité virtuelle. On aura l'occasion de voir que bah, maintenant, par exemple, les gestes qu'on fait en habilitation électrique, elles sont virtualisables et virtualisées d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire des gestes, par exemple, de consignation. Où, quand on est enseignant, on sait très bien qu'il y a un moment donné où il faut faire très attention avec nos élèves. Et quand on a 12, 15 élèves sur un groupe avec nous, quand il y en a un qui fait une consignation réelle sur un poste, c'est vrai qu'on a une tendance à être un peu plus concentré sur ce jeune-là parce qu'il n'est pas habitué à le faire et qu'on va avoir du mal à suivre les autres derrière. Par contre, dans le cas de figure où on arrive d'un côté ludique avec la réalité virtuelle à l'aider à fonctionner et donc à faire par exemple, sa consignation et à s'habituer à la faire dans un monde pour l'instant virtuel, quand il va se retrouver face au monde réel, il va avoir une tendance à se rappeler des gestes et à se rappeler des ordres qui lui ont été donnés tout au long de cette réalité. Donc PSA a fait une belle vidéo du futur, là pour le coup, sur la partie usine 4.0. Ils ont fait une animation en montrant un peu toutes les différentes possibilités qui doivent être mises en place pour faire une usine du futur. Ces dernières décennies, l'évolution de la technologie s'est accélérée. Dans un monde ultra connecté, les consommateurs sont en attente de solutions immédiates et personnalisées. C'est pour satisfaire nos clients et anticiper ces nouveaux besoins que nous avons préparé l'usine du futur. Chaque commande passée déclenche en temps réel l'ordre de fabrication du véhicule. C'est au centre de pilotage que son ordre et sa date de passage sont programmés. Le client reçoit une notification de la date de livraison prévisionnelle de son véhicule. La commande. Alors, si on regarde juste la date de commande de prévision, on se rend bien compte que ce n'est pas pour tout de suite d'avoir une usine comme ils vont la présenter. Parce que là, ils livrent en 2030. On sait qu'ils ont souvent du retard dans l'automobile pour les livraisons de véhicules. Mais là, en partant de 2020 jusqu'à 2030, 10 ans pour livrer un véhicule, ça risque d'être un peu compliqué. C'est automatiquement envoyé aux fournisseurs et leur réception est programmée en fonction de la date de livraison prévue. L'acheminement et le stockage des pièces sont entièrement automatisés, parfaitement fluides et flexibles. Découvrons ensemble notre usine du futur. Les espaces de travail sont dégagés, les tâches lourdes assurées par des robots et les contrôles qualité sont effectués automatiquement puis validés par les opérateurs. À l'atelier ferrage, un contrôle total de la géométrie des pièces est effectué grâce à un pointage laser. Ultra connectée, l'usine du futur se passe de papier. Toutes les informations sont stockées, analysées et échangées en temps réel. Si une dérive même minime est détectée, l'information de correction est automatiquement envoyée vers le robot à l'origine du problème, qu'il soit dans l'usine ou chez un fournisseur.
À l'atelier peinture, le système d'impression permet une personnalisation sur mesure dans le flux de production. Dans les zones de kitting, Opérateur Zéropo constitue le kit de montage dont la composition varie selon la demande client. Le full kitting est massivement déployé dans nos ateliers pour garantir la flexibilité. Le kit rejoint ensuite le véhicule qui s'insère dans la ligne en épi. Au montage, la ligne principale rassemble les opérations communes à tous les véhicules et des flux dérivés permettent de gérer de manière fluide la diversité des équipements. La réalité augmentée permet à nos opérateurs d'être formés en continu. Leur polyvalence est renforcée. Sur la ligne en épi, la mise en production de nouveaux modèles est facilitée par les échanges en temps réel entre l'usine et la conception. Aucun de nos robots, ni au ferrage, ni au montage, n'est fixé au sol. Nous pouvons les déplacer sans contrainte. L'usine du futur, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain au service de la flexibilité. Revenons à notre client. Sa commande est prête. Il peut venir chercher sa voiture en concession, sur un parc local ou directement à l'usine, où nous sommes heureux de lui faire découvrir son nouveau véhicule. L'usine du futur commence aujourd'hui. Alors, une première phrase sur la conversation. Le principal problème du type d'usine, c'est la sécurité des réseaux informatiques. Ouais, on va en parler justement. On va en parler et je pense qu'on en parlait déjà avec Fred il n'y a pas longtemps. On risque de faire un webinaire sur la cybersécurité. Ouais, c'est très important. Là, sur cette vidéo, on parle pas trop de cybersécurité, ça c'est sûr. Le but du jeu, là, c'est de montrer vraiment la partie personnalisation. Du véhicule. Hein. De plus en plus, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on veut avoir quelque chose qui nous ressemble à nous et on n'a plus envie d'avoir un modèle standard, que ce soit pour n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, hein, on se rend compte des différentes produits, des différentes tailles de produits qu'on peut avoir de partout. Je veux dire, si on se connecte à des grands sites de e-commerce, on voit qu'il y a des produits qui ont des toutes petites différences, qu'on peut personnaliser, on peut leur demander, prenez... Chez les vendeurs de téléphones, on peut faire graver nos téléphones maintenant avec ce qu'on a envie dessus. Voilà, c'est le principe de la personnalisation pour le client. Donc, au niveau des présentations, voilà, c'était les quatre petites présentations. Alors, il y en a des tonnes hein, sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont en anglais et beaucoup qui sont en allemand, hein, bien entendu, puisque l'industrie 4.0, le terme au départ, c'est quand même l'Allemagne. Il y a plein de recherches qui est potentiellement faisable pour les élèves, pour justement qu'ils se retrouvent avec plein d'autres notions. Là, j'ai essayé d'en extraire certaines qui étaient des notions fondamentales pour moi, c'est-à-dire que ça nous permettait justement d'avoir une vision globale de ce qu'était l'industrie. Donc, on va faire un petit retour en arrière, entre autres, j'aime bien un peu l'histoire aussi. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Avant de parler de l'industrie 4.0, on va quand même voir l'évolution qu'il y a eu dans le temps, donc avec les différentes révolutions industrielles. Donc là, bon, l'image, on va la détailler par la suite, hein, mais ça donne des points de date, 1784, 1870, 1969 et 2013. Alors, beaucoup parlent aussi, dans mes différentes recherches, la 4.0, il y en a beaucoup qui parlent du 3.x. Ils sont en train de dire qu'il va y avoir une industrie X point quelque chose, justement, en disant, voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment... tout assimilé dans la 4.0. Après, derrière, il va sûrement falloir encore refondre et rajouter beaucoup d'informations pour être dans un modèle numérique au complet. Donc, on va reprendre déjà depuis le départ. Donc, la première révolution industrielle, hein, mais en fait, elle est venue de la production mécanique. Avant, c'était complètement du manuel. Mais ça correspond à l'exploitation du charbon et à l'utilisation de la machine à vapeur, hein, James Watt. Donc, je vous ai dégoté une petite animation. Alors, très, très très succincte, celle-là sur la machine à vapeur. Ça permet de donner les grands principes de la machine à vapeur. Bon, voilà, pour la plupart du temps, on connaît bien cette machine-là pour l'avoir vue nous aussi régulièrement quand nous aussi on était à l'école. Donc, le principe. Derrière, je vous ai mis une grande vidéo qu'on ne va pas regarder, elle est plus longue. C'est une grande vidéo avec plus d'explications sur le principe de la machine de James Watt, où justement on voit les différents flux, les différents clapets, les différents fonctionnements de la machine qui était à l'époque construite par Watt.
Vous voyez, là, on a plusieurs animations. Dessous, il va y avoir des différentes explications sur les condenseurs, sur les valves. Donc ça, je dirais que c'est plus pour vous dans la présentation quand vous l'aurez récupéré sur le site que je vous ai créé. Derrière, vous aurez toute l'explication de la machine avec le piston à double action, le condenseur, la roue motrice et bien entendu la chaudière hein, qui est l'élément principal avec le charbon. Ensuite, donc, on a la deuxième révolution industrielle. Alors, la deuxième révolution industrielle, elle a eu lieu en fait, avec l'arrivée obligatoire de l'électricité et du pétrole. Donc, ces deux éléments qui vont permettre de moderniser donc, ces moyens de production qui avaient été créés grâce à la machine à vapeur et charbon. Donc, obligatoirement, le principal impact, ça a été l'industrie automobile et l'industrie chimique. Ça a été la plus grande des choses. Derrière, a été mise en place la période du taylorisme, hein, du travail à la chaîne. Tout ce qu'à l'heure actuelle, on essaye justement d'éviter et de sortir de ce principe-là. Donc, mais ça a permis, à cette époque-là, de faire une productivité des ouvriers non qualifiés. C'est-à-dire que le travail à la chaîne, ça ne nécessitait pas de grandes qualifications, mais c'était pas quelque chose qui était très, très sympathique pour travailler dessus. Mais voilà, ça avait permis à une certaine époque, pour plein d'États, d'avoir ce qu'on appelait le plein emploi, hein, c'est-à-dire d'avoir tout le monde qui puisse travailler à différents niveaux techniques sur les chaînes de fabrication. Ensuite, on a eu la troisième révolution industrielle. Alors là, c'est celle qui nous a le plus concernés. Enfin, moi, comme enseignant aussi, comme la plupart d'entre vous, hein, ça a été l'automatisation. Hein, donc, on part des API ou par des PLC. Enfin, bon, l'automatisation des machines et donc l'automatisation de la production dans les usines. Donc, c'était là déjà pour sortir du concept du taylorisme, c'est-à-dire c'était pour éviter tout ce qui était soulager les ouvriers et éviter tout ce qui était tâches difficiles et répétitives. Et on commence à voir dans cette période-là apparaître la robotique. Donc, et la production, bien entendu, de plus grandes séries, puisqu'on était encore plus efficace. On a eu des erreurs, hein. Il y a eu des grosses erreurs. Je m'en rappelle d'une il y a longtemps maintenant. Hein. C'était la Peugeot 405, je crois, à l'époque, qui avait été mise sur une chaîne complètement automatisée. Ils voulaient la fabriquer sur une chaîne complètement automatisée. À l'époque, on n'avait pas les technologies de maintenant. La chaîne complètement automatisée a fait qu'ils ont fallu qu'ils rappellent beaucoup d'ouvriers derrière pour remettre en place certaines choses, parce que surtout sur les montages, on avait eu des gros défauts de montage sur tout ce qui était tableau de bord. En fait, avec les capteurs de l'époque, on était capable de vérifier certains points, mais on ne vérifiait pas l'ensemble. Donc, il y avait des tableaux de bord qui n'étaient pas clippés correctement. Donc, ils avaient été obligés de rappeler beaucoup de main-d'œuvre pour justement corriger l'intégralité de ces défauts. Donc, ce n'était pas encore un essai très, très concluant. Et enfin, celle qui nous intéresse, la révolution industrielle en 4, donc la transformation au numérique. Donc, les tendances de production à la chaîne ont été laissées de côté pour tendre vers l'ère de la personnalisation. Alors, ce n'est pas les industriels qui ont voulu ça, hein, comme je le disais, c'est bien les clients qui ont de plus en plus envie d'avoir quelque chose de personnel à eux, avec leurs petites couleurs, leurs petits logos, leur envie personnelle. Donc, cette industrie, elle a été faisable grâce, bien entendu, à l'introduction de ce qu'on appelle les IoT. On en a parlé déjà un peu dans d'autres webinaires, et à l'essor de tout ce qui est réseau interconnecté. On voit qu'on a eu un mouvement sur le numérique au niveau des réseaux qui a été très, très rapide. Même si pour certains, c'est pas encore assez rapide. Là, on arrive avec des réseaux de plus en plus puissants, de plus en plus interconnectés, ce qui permet normalement d'avoir peu de ruptures. Alors là, on est en période de confinement où tous les opérateurs sont sur le pied de guerre pour éviter justement qu'on ait trop de coupures. Bon, pour l'instant, a priori, ils arrivent à contenir, en moyennant certains grands opérateurs qui ont permis de baisser leur puissance. J'entends Netflix et autres qui ont diminué leur débit justement pour éviter une saturation des réseaux. Mais par période habituelle, on n'a aucun souci sur les différents réseaux. C'est-à-dire que ça fonctionne dans l'ensemble plutôt bien et on est entièrement interconnecté. Et quand il y a une rupture quelque part, on a toujours des possibilités, hein, le maillage, de pouvoir passer différemment et donc d'avoir une continuité de service. Donc les grands industriels, ça a été quand même une transformation numérique avec une priorité stratégique, hein, c'est-à-dire pour eux, la transformation numérique, c'était la plus importante.
il y a quand même eu 900 milliards de dollars d'investis entre 2016 et 2020. Alors bon, pour 2020, je ne sais pas s'ils arriveront à 900 milliards parce que vu les conditions actuelles, mais on est arrivé donc à 900 milliards de dollars sur l'investissement de, justement de cette transformation numérique qui est obligatoire. Je pense que la transformation numérique, elle sera obligatoire pour tout le monde. Hein. On a l'exemple pour nous en tant qu'éducation nationale où la transformation numérique va être, je pense, un des grands sujets si, quand on va sortir de cette période sanitaire difficile. Donc, l'industrie 4.0, c'est un concept qui fait référence à la quatrième révolution industrielle. Plus concrètement, c'est un système interconnecté, d'accord, qui va donc connecter bien entendu les machines, mais aussi toutes les méthodes de gestion, hein, donc les ERP, hein, les Enterprise Resource Planning, les MES, les SIM, le SCADA, les PLC, donc la GPAO. On vient tout regrouper dans un élément commun pour que tout soit interconnecté et que tout le monde discute avec tout le monde. Et c'est là où, bien entendu, l'ère du numérique est le plus importante, c'est là où on va être obligé de rassembler tout ça et d'avoir, comme on le voyait sur la vidéo de PSA, hein, qui est une animation, hein, ça fait vidéo du futur, mais de plus en plus, on y est. Moi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps, d'aller visiter l'usine à Limoges de Legrand, où ils fabriquent le Duxi, qui est une usine 4.0, où voilà, on a une intégration complète du numérique. Hein, c'est ce qui est marrant, parce qu'on rentre dans une usine où... On a des câbles réseau, on a des sous-répartiteurs réseau de partout qui sont déployés, parce qu'en fait, on a tout interconnecté et on se retrouve avec plein de petits convoyeurs automatiques qui fonctionnent. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans une différence fondamentale par rapport à l'industrie que moi, j'ai connue avant de rentrer dans l'enseignement, où on était plutôt encore sur le cambouis et on avait pas mal de déplacements faits en manuel avec des transpalettes. Et ben là, maintenant, c'est des AGV qui prennent place. On se retrouve avec des AGV qui nous passent à côté, qui nous contournent, qui s'arrêtent quand ils nous voient, qui sont des AGV équipés d'un bras robot, hein, pour aller chercher dans les racks. Donc, on a vraiment une évolution technique et numérique de cet ensemble qui est impressionnant. Donc, le principe, c'est des usines innovantes, totalement digitalisé, flexible. Alors, flexible, comme je le disais, c'est par rapport à la personnalisation que demandent les clients. C'est-à-dire que bah, si l'usine elle est figée, comme on a eu des usines pendant des années, on construisait des usines pour travailler à la chaîne, hein, donc sous la forme du taylorisme, où on allait travailler, toujours la même pièce, toujours de la même façon, toujours avec les mêmes couleurs, et on faisait des assemblages, ça pose maintenant des problèmes par rapport à la demande des clients. Le principe de base. Donc, l'usine flexible. Flexible, ça veut dire que même les bras robots qu'on est en train de poser, la robotique qui a été posée à une certaine époque, hein, pendant la troisième révolution industrielle, ils étaient posés en fixe. Et en fait, on se rend compte que dans l'industrie 4.0, même les bras robots, il ne faut pas qu'ils soient fixes dans un atelier. C'est-à-dire que là aussi, ces bras robots, il va falloir qu'ils soient mis en place sur des systèmes de déplacement automatique, donc de type AGV, par exemple. Et on va se retrouver donc avec une usine qui va pouvoir se tourner vers ses acteurs extérieurs. Donc, tout ce qui est externe, ça veut dire que les sous-traitants, ben, il va falloir que ça communique aussi en direct. C'est fini l'époque où on envoyait un mail en disant « Ah ben, j'ai eu un problème sur telle pièce de telle série, est-ce que vous pourriez regarder ?» Le mail partait, il y avait une intervention qui était gérée donc dans les différents bureaux du sous-traitant pour arriver jusqu'à la pièce elle-même. Ça remontait dans l'autre sens, donc on perdait du temps. Maintenant, le principe d'avoir une usine digitalisée au complet, bah, ça permet justement d'envoyer directement l'information à l'ensemble des personnes et qu'on ait des retours le plus rapide possible. Donc, une usine responsable sur le plan sociétal, ça, je dirais que c'est plus un atout commercial, on va dire. Le plan sociétal, alors, on a toujours la même chose. Hein, quand on a automatisé les usines, on nous a dit « Ah, mais on casse de l'emploi ». Alors, ce n'est pas qu'on casse de l'emploi, c'est qu'on fait des choses différentes avec l'emploi, c'est-à-dire qu'on demande des niveaux un peu différents après aux personnes intervenantes. Et une usine économe est responsable sur le plan environnemental, bah, si tout est contrôlé digitalement, c'est ce qu'on a vu sur les autres webinaires, hein, si on a tout en version numérique, on va être capable de vérifier nos points de consommation aussi fort, donc on va pouvoir recommencer à nous faire des économies en tant qu'industriel, mais aussi, bien entendu, si on fait des économies d'énergie simplement, c'est-à-dire que si on consomme moins d'énergie, ça veut dire qu'on va moins utiliser la production d'énergie, c'est-à-dire qu'on va être moins tenté de faire fonctionner des ensembles pollueurs.
Donc, c'est le principe du système, en fait, l'Industrie 4.0, c'est d'avoir un jumeau numérique de notre ensemble, donc un jumeau complètement numérique avec toutes les informations. Le principe, c'est d'avoir des implémentations de lignes de production donc réduites dans le temps. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir là aussi que ça soit entièrement flexible, encore une fois. C'est pour augmenter le taux de satisfaction du client. À l'heure actuelle, c'est ce que le client recherche. Et donc, l'Internet des objets, tout ce qui est système cyberphysique, hein, ça nous permet aussi de répondre à un objectif, hein, à l'objectif que même, enfin, que moi, j'essaye de tendre à avoir dans l'éducation au niveau de mes ateliers, hein, c'est le zéro papier. Le zéro papier, comme je l'expliquais, hein, déjà pour la gestion des papiers, et puis bon, à un moment donné, si on est entièrement numérisé, c'est vrai que le papier ne nécessite peut-être plus le besoin d'être en masse dans les ateliers où on passait des heures et des heures en photocopie. Je me rappelle à l'époque de certains sujets de bac qu'on pouvait faire sur les épreuves E2, où il y avait 40 pages de dossier ressources et 40 pages, enfin 30 ou 40 pages de questions, plus le dossier technique. On avait 100 pages par gamin pour une épreuve qui durait 5 heures. On allait se retrouver à faire un nombre de photocopies multiplié par le nombre d'élèves qui était impressionnant, tout ça pour 4 ou 5 heures de cours. Donc, l'arrivée, entre autres, de notre référentiel, que ce soit le MELEC ou le SN, avec la numérisation au plus possible aussi de notre fonctionnement, va permettre d'arriver à des objectifs. Le zéro papier pur, je pense que pour l'instant, on n'y est pas, mais on va commencer à pouvoir diminuer énormément notre utilisation de papier. Donc la maintenance industrielle, innover pour l'industrie, c'est pareil, c'est une vidéo qui moi j'ai trouvé très intéressante. À l'échelle mondiale, les périodes de croissance et de stagnation de l'économie. Alors c'est canadien. Hein. Chaque pic de croissance est issu d'une nouvelle révolution industrielle. Nous en avons connu trois jusqu'à présent. L'apparition de la machine à vapeur, les chaînes de production et de l'automatisation. Ces trois révolutions ont profondément changé le modèle de production existant. Depuis, notre modèle industriel a peu évolué. Pourtant, beaucoup de nouvelles technologies sont apparues. L'Internet est, pour nos sociétés, un bouleversement majeur qui change notre manière de communiquer et de consommer. Les progrès en microélectronique nous permettent aujourd'hui de miniaturiser tous les composants afin d'avoir des processeurs de plus en plus performants et moins coûteux. L'impression 3D permet de réaliser des prototypages rapides ou encore de construire très facilement des pièces sur mesure. Et si nous combinions toutes ces mini-révolutions technologiques avec le monde de l'industrie? C'est ça, la nouvelle révolution industrielle, l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est donner la possibilité aux produits, aux machines et aux humains d'interagir entre eux en parlant la même langue et d'être connectés. Les applications sont très variées. Par exemple, l'intelligence supplémentaire donnée par les capteurs et par les algorithmes de contrôle permet aux équipements de s'opérer automatiquement ou bien à distance. L'Internet des objets, soit la connexion de tous les équipements, va générer beaucoup de données pour permettre d'afficher en temps réel des indicateurs de performance qui serviront par exemple à prédire les défaillances à venir. Un autre exemple est la réalité augmentée qui permet de créer un pont entre le monde numérique et le monde physique en combinant le potentiel inouï de la 3D et l'intelligence offerte par l'Internet des objets. Les usines deviennent alors flexibles et peuvent produire plus efficacement et selon les besoins des clients. La production ainsi que la consommation d'énergie et des matières premières seront optimisées à chaque instant. La santé des travailleurs sera également préservée. La combinaison de l'automatisation et l'ajout d'intelligence pose plusieurs questions. D'abord, il faut gérer le traitement des données qui peut être massif. Ensuite, la multiplication des équipements interconnectés introduit un nouvel enjeu en matière de sécurité informatique et influence la sécurité nationale. Enfin, ça ne veut pas dire que demain, les robots vont remplacer les humains. L'un des défis les plus importants est d'assurer le développement des nouvelles connaissances afin de garantir une formation adéquate permettant d'adapter ou de créer de futurs emplois. L'industrie 4.0 ajoute donc de l'intelligence à l'industrie à travers les nouvelles technologies. L'entreprise devient donc plus compétitive en répondant plus rapidement et de manière plus personnalisée à ses clients. Elle devient une véritable passerelle entre ses clients et ses fournisseurs. Les grandes, mais surtout les petites entreprises, sont au cœur de cette quatrième révolution industrielle qui va relancer la croissance puis nous faire entrer dans un cercle vertueux à l'échelle mondiale. Nous y travaillons. Et vous?
Donc là, on voit bien la partie, justement, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il remettait la partie sécurité des données dedans. Cette partie sécurité, hein, jusqu'à l'échelon national, ils en parlent. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est tout interconnecté, on a toujours un risque d'attaque globale. Hein. On en a eu quelques-uns qui ont commencé à avoir lieu sur l'Europe, entre autres. Hein. On a eu une grosse attaque il y a 2 ans sur les systèmes bancaires. Bon, a priori, on a pu se prévaloir d'une sécurité suffisante pour l'instant. Mais c'est vrai que tous ces ensembles de numérisés, obligatoirement, vont nécessiter une couverture, une cybersécurité très, très importante. Et là, il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de choses sur lesquelles il va falloir travailler. Donc, au niveau des technologies qui sont employées en fait, pour l'industrie 4.0, alors bien entendu, hein, on a la technologie web et mobile. Hein, donc, bien entendu, tout ce qui a été développé sur Internet et sur les téléphones mobiles, hein, à une certaine époque, le smartphone n'existait pas. C'est-à-dire qu'on avait les Nokia 3210, comme je disais, c'était voilà, des téléphones à touche, on ne faisait qu'appeler avec. Et maintenant, de plus en plus, on a des applications dans tous les sens pour un peu tout, d'ailleurs, des fois tout et rien, mais pour un peu tout. Donc, on a plein d'applicatifs qui nous permettent de rester connectés. Donc, tout ce qui est applications mobiles, smartphones et tablettes, hein, ça monte en puissance. De plus en plus, je ne connais quasiment aucun système maintenant qui sort sans une application qui va avec. Hein. C'est-à-dire que toute la technologie, maintenant, obligatoirement, on est connecté avec notre smartphone, avec notre montre, avec notre tablette. Donc, c'est ces outils de gestion de performance, hein, en fait, hein, puisque réellement, dans une société, c'est vrai que si au bureau d'études, on est informé, ou au bureau des méthodes, on est informé d'un problème qui a à l'instant T0 dans l'atelier, c'est le top pour assouplir les échanges. Hein, c'est-à-dire que ça évite, que je vous disais, tous les déplacements de flux, entre autres papiers, en disant, ben voilà, je signale qu'il y a eu tel problème, qu'il faut faire attention, qu'on a un défaut, qu'on a une distanciation qui se passe au fur et à mesure. Donc, voilà, il va falloir remédier à ça. Là, ça peut être fait en instantané. Donc, alors les progressions de ce qu'on appelle le user experience et la user interface, hein, alors ça, c'est les anglicismes qui sont utilisés de partout. En fait, la user experience, ben, voilà, c'est le fait de partager nos informations, de partager les données, fait que ben, le retour d'expérience, que ce soit de l'utilisateur ou de la partie informatisée, nous permet justement de pouvoir avoir de meilleures réactions et des réactions surtout plus rapides. La réalité augmentée, alors, permet de visualiser en temps réel les objets et des entités physiques sur un support numérique et on va pouvoir les améliorer. Alors là, c'est une petite vidéo de SPI, pardon, pour tout ce qui est maintenance industrielle. Lors de leurs interventions de maintenance, combien de fois nos techniciens se sont-ils retrouvés à perdre du temps à chercher la bonne documentation à jour, à ressaisir les informations, à être encombrés? Lors des audits, connaissez-vous précisément le statut de vos équipements? Pour y remédier, SPI innove et propose une solution idéale et simple grâce à l'utilisation de la plateforme IDBLIM. Dès qu'il reçoit son ordre de mission, le technicien est informé du client à dépanner, du lieu de l'intervention ainsi que du travail à effectuer sur la machine. Une fois sur place, le technicien scanne le tag basé sur la technologie UBLIM avec sa tablette ou son smartphone et accède à toutes les données de l'équipement au travers d'une interface en réalité augmentée. Ces informations sont préalablement intégrées et mises à jour en temps réel par les équipes méthodes de SPI grâce au paramétrage du tag sur la plateforme IDBLIM et à la GMAO dédiée. Le client, quant à lui, dispose des informations qui l'intéressent en temps réel. Avec une simple connexion Internet, le technicien obtient des informations pertinentes et actualisées. Avant toute opération de maintenance sur la machine, il accède à la documentation via l'interface en réalité augmentée. Il cible la solution technique et bascule le statut de l'équipement et réalise son action de maintenance. Il peut ensuite envoyer son rapport directement au client, qui est informé en temps réel du contenu de l'intervention. Dans certains cas, les conditions sur site sont défavorables. Le tag SPI, développé par UBLIM, est une technologie robuste qui offre des performances de lecture inédites en comparaison à d'autres technologies, comme le QR code. Par exemple, en scannant un tag même à distance, le technicien connaît l'état de validité réglementaire en temps réel de plusieurs équipements. La solution proposée par SPI offre également des possibilités d'action et de pilotage à distance. En scannant un tag, vous pouvez par exemple redéfinir la température d'une pièce.
avec la solution IDBLIM, SPI Sud-Ouest innove et propose un véritable écosystème pour ajouter une nouvelle dimension à vos équipements, permettant l'accessibilité des données sur le terrain. Donc voilà, c'est l'exemple type. Là, je pense surtout à nos collègues de MEI, hein, de maintenance équipement industriel, qui ont un changement de référentiel en cours. Je ne sais pas s'il est déjà complètement sorti officiellement, le référentiel MSPC, hein, donc maintenance des systèmes de production connectés. Bien, obligatoirement, dans ces maintenances de systèmes de production connectés, la réalité augmentée, qui est utilisée à l'heure actuelle dans l'industrie, justement, à beaucoup sur le principe de la maintenance, eh bien, ils vont être obligés de s'en emparer, d'en avoir avec leur GMAO, que ça fonctionne avec une réalité augmentée. Donc, on parlait aussi de la réalité virtuelle. Alors là, c'est une vidéo de présentation qui est faite par une société de copains aussi, hein, IRAI, qui a travaillé sur du matériel ERM, justement, pour virtualiser avec leur logiciel, hein, Virtual Universe Pro, et donc avoir sur le polyprod de ERM, d'avoir justement un fonctionnement du système en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'un opérateur ou un jeune peut prendre en main le système sans aller réellement sur le système au départ, c'est-à-dire commencer à le mettre en service directement. On verra que ce système-là, il est utilisé pour plein d'autres choses aussi, pour les habilitations électriques. Mais là, dans ce cas-là, c'est la société RAI qui a développé avec leur logiciel justement une partie réalité virtuelle où on voit l'intégralité de la machine, ce qui nous permet, quand les machines sont redéfinies au maximum en CAO, hein, en CAO, DAO, d'avoir la possibilité aussi d'intégrer et de rentrer dans la machine. Moi, pour avoir essayé le produit, hein, d'IRAI, c'est vrai que c'est génial. C'est-à-dire que même si on est enseignant, par exemple, de construction, on peut s'emparer de cet objet-là qui serait dans les ateliers d'électricité et d'aller voir, par exemple, le parti du changeur, du tapis roulant, le réducteur. Tout a été complètement dessiné, donc ça nous permet justement de rentrer dans le système, outre le fait de l'utiliser virtuellement, hein, puisque si on a le système à côté, on a juste à appuyer sur les boutons pour que ça marche, mais là, en plus, on peut rentrer dans des détails qui seront aussi bien pour nous que pour nos collègues de construction, même nos collègues de maintenance, hein, car avant de démonter un système, si on sait comment il a été monté, ça peut nous être pratique, d'où la réalité augmentée aussi, qui nous sert à faire des gammes de démontage et remontage d'ensemble, hein. Mais c'est vrai que la réalité virtuelle, ça nous permet de nous immerger complètement dans un domaine et donc d'aller à l'essentiel et d'aller voir justement comment fonctionnent ces différentes machines. Alors, ce qu'on appelle ensuite la fabrication additive, hein, donc l'impression 3D en fait, hein, là c'est pareil. Alors, j'ai extrait une petite vidéo qui me fait dire que souvent les élèves parlent de l'impression 3D en plastique. Ouais, mais non, pas que ça. Airbus, par exemple, imprime déjà des pièces métalliques, hein, pour leur A350. Là, c'est une petite vidéo justement où il y a une fabrication, donc en passant du logiciel de conception jusqu'à la machine 3D, on fait de l'impression métal. Je sais qu'il y a eu un webinar fait par les collègues de FabTest de chez ERM, de faire justement, ils ont fait un webinar sur les machines 3D métal. Donc, je ne sais pas, Fred, il faudra peut-être faire passer le lien pour que les collègues puissent voir ce webinar s'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Oui, tout à fait, pas de souci. On me donne des informations directes aussi du discours de M. Blanquer, obtention du bac pro en contrôle continu. Ouais, bah, je pense qu'on s'y attendait un peu de toute façon. Déjà, on ne sait pas si on va reprendre avant la fin de l'année. Donc, on aura sûrement des obtentions du bac pro en contrôle continu, ça c'est quasiment certain. Ouais. Donc voilà, Fred, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, donc les vidéos sur l'impression additive et notamment sur du métal là, seront disponibles d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube également. Voilà. Super, voilà. Donc voilà, il y aura des belles informations sur un webinar qui a été fait par FabTest justement sur l'additive. Ensuite, les IoT. La transformation digitale modifie la nature et l'intensité de l'avantage compétitif des entreprises. Découvrons comment l'Internet des objets génère de nouvelles opportunités de création de valeur dans le secteur de l'industrie. La réduction continue du coût de l'électronique permet dès aujourd'hui de multiplier les points de collecte de données dans des écosystèmes industriels complexes. Étiquettes électroniques, tags RFID, beacons, trackers Wi-Fi, solutions d'analyse vidéo,
permettent de rendre compte et d'optimiser le suivi en temps réel des actifs connectés. Par exemple, la gestion du maintien en condition opérationnelle des engins peut rapidement être détectée. Les actions de maintenance curative sont optimisées grâce au diagnostic à distance couplé au suivi de l'historique des interventions en lien avec les stocks des pièces de rechange. La préparation et le lancement des interventions peuvent être optimisés, contribuant à la satisfaction des clients tout en maîtrisant les coûts. Là, c'est pareil. Voilà, le principe, la vidéo, elle sera sur la présentation. Elle fait 3 minutes 41. Ça fait déjà beaucoup de vidéos, donc on va simplifier. Hein, l'Internet des objets, bien entendu, hein, les IoT. Ça va nous permettre de faire des échanges de données. D'ailleurs, l'appel d'offres de la 5G, hein, en fait, a quand même une priorité au départ. Hein, c'est pas trop qu'on puisse, nos élèves puissent jouer à Fortnite avec un débit surpuissant. C'est surtout justement la 5G, elle va surtout être là pour justement gérer ces problèmes d'IoT où on va être équipé de plus en plus. Hein, nos véhicules, tout va être équipé justement au fur et à mesure. Donc ça va nous permettre de stocker et puis faire de l'analyse de data, hein. Donc plus on est rapide, mieux c'est. Bien entendu, derrière, ça va amener le cloud et le big data notamment, hein, qu'on va voir juste après. Voilà, c'est ce principe d'Internet des objets, c'est que ça nous permet justement, en miniaturisant tout ce qui a été, tout ce qui est fait au niveau des capteurs, entre autres, hein, va nous permettre justement d'aller sur des échanges de données complets. Donc, et on va pouvoir donc analyser ça très très rapidement avec des réseaux qui ont une forte puissance. Donc le cloud. Le principe du cloud, hein, c'est pour bénéficier d'une puissance de calcul. La maintenance prédictive est d'anticiper les pannes et les arrêts des machines pour une meilleure maîtrise et connaissance de leur fonctionnement en temps réel. Par exemple, pour une presse, plus de 50 capteurs mesurent les pressions, vitesses et déplacements des outils. Ces données sont relevées 33 fois par seconde et sont ensuite transmises à des serveurs Forestia pour être analysées. En tout, 1,4 milliard d'informations partent quotidiennement, soit le nombre de SMS envoyés en France en 3 jours. Une véritable prouesse technologique. En cas de dérive, une alerte est immédiatement reçue par le technicien de maintenance. Il peut alors intervenir rapidement, analyser la situation et traiter le problème avant que cela ne bloque la machine. Avec ce système, nous pouvons aussi visualiser en temps réel sur ordinateur, tablette ou smartphone le fonctionnement des machines constamment connectées. Cela permet de faire un diagnostic plus rapidement, tout en accélérant et facilitant l'intervention. Avec l'historique des pannes et les actions déjà réalisées, les solutions seront proposées directement par le système pour les résoudre. Des formations en salle et sur le terrain pour les techniciens de maintenance permettront de s'approprier et de maîtriser cet outil. Le digital permet donc de faciliter la collecte, la mise en commun et l'analyse des données pour agir plus vite en étant mieux informé de manière scientifique. Alors vous allez me dire, on parle beaucoup de maintenance, mais bien entendu, tous ces systèmes-là, ça fait partie des installations qu'en tant que MELEC ou SN, hein, surtout d'ailleurs la partie numérique au niveau des SN, vont être amenés à installer. C'est-à-dire que les maintenanciers vont être surtout des utilisateurs de ces fonctions-là pour pouvoir justement faire de la maintenance prédictive, qui est un des nouveaux enjeux maintenant au niveau de la maintenance. Par contre, tout ce qui va être installation de ces produits-là, c'est quand même des installations qui vont être confiées à des gens qui ont été formés plus au connecté et au numérique, donc les MELEC et les SN, pourquoi pas. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de maintenance parce que c'est de l'industrie, mais on a quand même, nous, la partie industrie dans le MELEC aussi, hein, et dans le SN. Par exemple, on prend les SN RISC. Hein, les SN RISC, il n'y a pas que du serveur réseau, hein, il y a aussi l'intégration des différents équipements sur la base réseau, justement, et donc de travailler avec les éléments de production, les équipements de production, pour justement ramener toutes les informations et faire du cloud dans ce cas-là, puisque on ne pourra pas se permettre de stocker tous chacun dans une usine, étant donné que les usines maintenant sont réparties de partout dans le monde. Il va falloir qu'on ait des plateformes communes pour que l'intégralité d'usines qui travaillent ensemble ait les informations en direct. Donc la big data. Alors la big data, c'est le principe en ce moment. Tout le monde parle de la big data. L'industrie du futur, c'est quoi? C'est l'intégration du monde virtuel de l'information, de l'Internet avec le monde réel et concret des équipements, des machines et des installations industrielles.
C'est un système global interconnecté dans lequel infrastructures, machines, produits et systèmes communiquent en permanence et où l'information est accessible en temps réel. On peut mettre cette transformation de l'industrie en parallèle avec la digitalisation des services. La digitalisation de l'industrie, elle, nécessite cependant un temps de mise en œuvre plus long car elle requiert une digitalisation du matériel, des infrastructures et des équipements. Donc, voilà, pour simplifier, en fait, la big data, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est de contrer cette problématique qu'y avait les outils classiques, d'un volume gigantesque de données. Donc, pour qu'un outil classique n'arrivera pas à l'analyser correctement et à travailler avec correctement. Donc, la big data, c'est le principe justement de venir faire une structure de ces données et les rendre accessibles à des analystes pour les entreprises. Ça veut dire qu'en fait, ça, big data et cloud sont des moyens qui vont ensemble, où on va justement venir récupérer ces ensembles-là, tout mettre dans des grosses puissances machines. On a des data servers qui sont installés de partout dans le monde et en France aussi. On a beaucoup de data servers qui se mettent en place. On a plein maintenant de possibilités d'abonnement sur des grosses infrastructures de calcul. Mais en fait, ça permettra aussi de diminuer les coûts industriels, parce que si chaque industriel est obligé de s'équiper lui-même de sa big data, donc de ses gros serveurs, ça sera infaisable. Là, ça va vraiment partir sur le besoin réel de la société et qui va permettre aussi d'avoir des échanges avec les autres sociétés et donc de pouvoir formaliser en fait tout ça dans un abonnement à l'utilisation, ce qui n'aura pas des coûts gigantesques pour tout le monde. Pour les grosses sociétés, oui, mais bon, grosse société égale gros chiffre d'affaires, donc obligatoirement, ça devrait fonctionner ensemble. Ensuite, on a l'IA. Bonjour et bienvenue sur Computer Scientist. Depuis maintenant quelques années, on entend de plus en plus parler des termes d'intelligence artificielle, de machine learning ou encore de deep learning. Et ce, même dans les médias grand public. Néanmoins, ces termes sont parfois confondus alors qu'ils ont chacun une signification bien distincte. Nous allons voir quelles sont les spécificités de chacun de ces termes dans cette vidéo. Si ces termes sont confondus, c'est que même s'ils ne signifient pas exactement la même chose, ils restent très étroitement liés. En réalité, ils ne sont que différents niveaux d'une même discipline mère, l'intelligence artificielle. Si on entend souvent parler des exploits des intelligences artificielles en des domaines tels que la reconnaissance d'images, elles ne s'y limitent pas. À vrai dire, l'intelligence artificielle est un terme très large et plutôt vague. Il n'y a qu'à regarder la définition du Larousse de l'intelligence artificielle. Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors en fait, c'est pareil, l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, c'est des choses qui sont séparées, mais en fait pas vraiment. En fait, c'est une encapsulation. L'intelligence artificielle, on va dire que c'est le bloc global, c'est le nom qu'on donne à un peu tout. Dedans, après, on a la machine learning, et à l'intérieur de la machine learning, on a le deep learning. Donc c'est tous des procédés qui vont nous permettre au fur et à mesure d'avoir tout ce qu'on arrive à l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui en ont peur en ce moment de cette intelligence artificielle. Peut-être qu'ils ont vu trop de films avec le gouvernateur, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a tous peur de cette intelligence artificielle en disant ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si les machines prennent le contrôle. On n'en est pas encore à Skynet, mais on essaie d'avoir un apprentissage automatique, c'est-à-dire que plus la machine va apprendre par elle-même sur le comportement, plus on va gagner nous aussi du temps. Tout ça, bien entendu, il faudra le maîtriser, mais c'est vrai que c'est en fait une encapsulation. L'intelligence artificielle, à l'intérieur, il y a le machine learning, et à l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning. Donc en fait, c'est rentrer en profondeur. Deep, en fait, c'est profond, donc c'est l'apprentissage profond, c'est là où on va le plus loin. Donc c'est bien entendu une forme d'intelligence artificielle, et c'est un apprentissage donc pour l'apprentissage automatique des ensembles. Donc ça, c'est pareil, on reste vraiment sur des notions dans l'industrie 4.0, parce que là, je vois déjà l'heure qui tourne énormément, mais il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait quasiment prendre un webinaire par élément technologique pour arriver à détailler correctement ces différents ensembles. Le blockchain, alors c'est pareil, c'est des mots qu'on entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de partout, et il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment de quoi on parle en fait réellement. Donc, l'augmentation des échanges de données, on en a parlé tout à l'heure, un collègue me disait attention,
la sécurité et la protection. Donc, le système d'information, ça, c'est obligatoirement, quand c'est numérisé, c'est soumis à des failles de sécurité, donc à des attaques. Donc, le blockchain répond à ces besoins, ça c'est sûr. Donc, c'est une technologie de stockage, une transmission de l'information sous organe de contrôle. Donc, voilà, on essaye justement d'avoir des contrôles existants sur ces ensembles de variables, hein, de données qui sont produites, et d'essayer d'en capturer le plus possible pour éviter les différentes attaques. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, en plus on est dans un cas de configuration typique, hein, c'est comme en médecine, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est attaque sur du numérique, quand on la connaît, on connaît les virus, on connaît donc l'antivirus qui va avec. Quand on ne le connaît pas, ben, il faut le temps à ce qu'on déploie des solutions qui nous permettent de nous protéger. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut bien penser à ce qu'il n'y ait pas de système complètement globaux. Il faut quand même qu'il y ait des capsules au milieu qui englobent des sécurités différentes qui vont nous permettre justement de ralentir au milieu de toutes ces intrusions. Donc le principe de la blockchain, c'est justement d'avoir un journal des échanges, d'accord, et de pouvoir détecter obligatoirement des échanges qui seraient anormaux. Hein, on a eu le cas sur pas mal de choses où on disait que les informations sur les réseaux d'un tel et un tel étaient dérivées en Chine, c'était l'année dernière ça, voilà, où il y a eu des récupérations de données qui étaient illégales. Donc voilà, en France, on parle beaucoup de RGPD, mais en fait, avec le réseau numérique web, Internet qu'on a, la RGPD française, en fait, est obligatoirement limitée sur tous les accès contrôle hein, qu'on peut avoir. Parce que quand on se connecte sur un site, on ne sait même pas où il est basé. Hein. C'est-à-dire, il peut très bien être basé à l'autre bout du monde. Pour nous, c'est transparent en tant qu'utilisateur d'Internet. La robotique, bien entendu. Hein. Donc, plus particulièrement, ce qu'on appelle les cobots. Alors là, j'ai mis une petite société start-up lilloise hein, qu'on connaît bien, qui ont fabriqué le petit Nirio One. C'est un petit bras robot collaboratif 6 axes qui a l'avantage d'être open source et qui fonctionne très très bien. C'est en fait du Raspberry et de l'Arduino dedans, mais il est ROS, donc il est compatible avec les vrais systèmes de cobotique. Donc, le principe de la cobotique, qu'est-ce que c'est hein ben, en fait, c'est de pouvoir travailler à côté de l'humain, sans risque, donc sans avoir de cage métallique autour. Hein, c'est d'avoir justement le robot à proximité de l'humain pour faire des vrais échanges avec l'humain et sans risque pour l'humain, bien entendu. Hein, si on prend des gros robots qui ne seraient pas collaboratifs avec les puissances moteurs qu'ils ont, c'est clair que s'ils touchent un humain, ils risqueraient de lui faire très mal. Là, ceux-là, c'est comme les Kuga, c'est comme les Universal Robots, donc les UR, UR3, UR6... qui eux vont permettre justement, dès qu'ils rentrent en contact avec l'humain, de s'arrêter et de bloquer justement leur activité, donc avec des pressions définies par avance. Donc voilà, ça c'était la partie robotique. On va y revenir dessus sur la présentation hein, qui va suivre juste derrière. Donc il y a les enjeux autour de l'industrie 4.0, hein, ben, l'enjeu sur le plan technologique, ça on ne peut que être d'accord. Un enjeu sur le plan organisationnel, c'est vrai que ça va changer obligatoirement l'idée préconçue de l'industrie, hein, donc avec l'agilité des machines. Donc, il va falloir que tout soit, on va dire, flexible au possible. Et c'est là où, hein, la stratégie va être la plus compliquée, puisqu'on a une habitude de fonctionnement qu'il faut arriver à changer. Ensuite, on a un enjeu sur le plan environnemental. Hein. Donc, bien entendu... avec nos ressources qui se raréfient, les changements climatiques, hein, donc toute cette transition énergétique, obligatoirement, il va falloir qu'elle soit faite sur l'usine parce que l'usine fait partie des niveaux de pollution assez complètes. Par contre, tous les contrôles qu'on peut avoir qui vont être donc numériques et informatiques, on va pouvoir baisser justement une empreinte, son empreinte hein, sur la planète. Donc, il faut qu'ils pensent à leurs produits, bien entendu, parce que le but du jeu d'une usine, c'est quand même de fabriquer. Mais derrière, il faut qu'il y ait les autres notions environnementales qui aillent avec. Alors, les enjeux sur le plan sociétal, donc ça doit chercher à réduire donc, ses impacts négatifs sur son environnement économique et social, donc externalité négative. En ce moment, on est en plein dedans, hein, on n'arrête pas de parler des masques et ainsi de suite. Et donc, de développer les responsabilités sociétales. Alors, toujours pareil, on va nous dire, on va faire une casse sur les travailleurs ouvriers. En fait, le principe d'automatiser et de numériser ces ensembles-là, on va déplacer en fait le travail. C'est vrai que ce sera moins du travail, comme on a pu voir avant à la chaîne,
c'est des travaux qu'on limite le plus possible. Maintenant, on se retrouve avec un travail où on déplace les niveaux de compétences. Alors, c'est vrai que ça nécessite de la formation, ça nécessite pas mal de choses, d'où les arrivées du matériel de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qui vont permettre justement de former les anciens ouvriers de ligne, de chaîne, sur des métiers un peu différents pour qu'eux aussi puissent progresser. Donc, on fait évoluer depuis des années les corps de métier, et c'est pour ça qu'entre autres nos référentiels aussi évoluent pour qu'on ait la meilleure solution pour nos futurs ouvriers en France. Enfin, un petit retour d'expérience sur du matériel. Alors là, je tiens à remercier Benjamin, le responsable du bureau d'études de RM, qui m'a fait profiter de son retour d'expérience, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont installé justement au niveau d'un vrai système d'usine 4.0, mais pédagogique. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, ça veut dire que voilà, on peut le faire dans les ateliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui est une réalité technique, mais qui est aussi adapté à notre pédagogie. Donc, qui vient rentrer en fait un peu tout, hein, l'impression 3D, la supervision, les MES, la GPAO, la ligne de conditionnement de chez VRM, Arma Smart, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les robots collaboratifs, bien entendu. Donc, au niveau des capteurs intelligents, voilà, là on a le principe de captation qui est là. On voit les signaux qui arrivent dessus. On vient vérifier en fait la différente position des pions et si les pions sont bien positionnés. Si on a un problème de position sur les pions, eh ben les pièces vont devenir mauvaises. Donc il va y avoir un triage automatique qui va être fait. Donc c'est ce qui va nous permettre justement d'avancer et de voilà, la pièce a été vue pas bonne, il y en manquait. Là, c'est pareil, la pièce n'est pas bonne, donc les pièces vont être évacuées. Donc là, on rentre déjà avec les capteurs intelligents dans une ligne automatisée. Alors, on va dire, oui, on savait le faire avant. Oui, maintenant, c'est les vitesses. Alors, ce qui est le plus important dedans, c'est la vitesse d'exécution. Ça veut dire que le principe du collectif IO-Link, hein, c'est justement d'avoir du matériel, ici avec SIC, d'avoir du matériel qui a une réaction très, très rapide et qui va nous permettre donc de ne pas limiter notre capacité de production pour évacuer, mais qui va nous permettre justement d'avancer. Il y a eu certains temps, au départ, quand il y avait des défauts, on arrêtait les chaînes. La chaîne s'arrêtait pour qu'on intervienne sur le défaut. Là, maintenant, avec les transporteurs et ainsi de suite, on commence à évoluer de plus en plus et donc à permettre justement une efficacité réelle pour pas qu'on ait de ralentissement sur les chaînes de production. Donc, les IoT, on ne va pas tarder trop longtemps dessus, on en a déjà parlé, hein. On vient récupérer les informations, on vient tout monter dans un cloud, une bonne big data derrière, et comme ça, ça va nous permettre d'avoir des informations en temps réel et analysées. Donc, tout ce qui est IoT va nous servir pour ce qu'on appelle les revamping d'une usine. On fait une faute de frappe, mais ce n'est pas grave. Revamping d'une usine, hein, bah, oui, une usine, on ne va pas tout changer, on ne va pas changer tous les moyens de production, bien entendu, ça veut dire que ça coûterait excessivement cher. Donc, on va essayer d'adapter nos moyens de production grâce aux IoT et de venir justement récupérer les informations sur du matériel un peu ancien, ce qu'on peut le faire sans problème. Donc, on vient récupérer pour avoir des technologies de cloud, donc pour nuagique, pour que ça soit, tout le monde puisse profiter de ces informations récoltées, ou alors en local, hein, donc directement sur les accès. Hein. Ici, on voit une passerelle, une plateforme Node-RED, hein, quoi. On aime bien et qu'on maîtrise bien avec la société ERM, justement, pour avoir des informations locales sur différentes structures. Donc, le robot collaboratif, alors voilà, là, c'est typiquement le cas. Alors, on a du Kuga, du Stobli, de l'UR, hein. C'est les robots. Alors, on peut avoir des robots d'usinage où on vient scanner avec un appareil, un téléphone, on vient scanner une personne et derrière, on est en capacité de numériser cette information. Et donc, quand on a numérisé l'information, on va pouvoir enchaîner directement avec le robot sur une partie usinage. C'est ce qu'on appelle la personnalisation, hein, en fait, hein, que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les clients veulent des choses personnelles. Donc, on va pouvoir personnaliser l'usinage. Donc, faire le buste, par exemple, de la dame qui a été scannée. On vient envoyer le robot qui vient avec, bien entendu, ici, un aspirateur assez puissant pour éviter de tuer toute la mécanique, et il vient reproduire l'intégralité du scan qui avait été fait, la sélection du scan qui a été choisi sur l'ordinateur.
Donc, les robots collaboratifs, hein. Alors c'est, ça sert à beaucoup de choses. Alors c'est vrai que de plus en plus, on s'en sert en précision, hein, la biomécanique. Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs compte depuis peu un nouvel équipement phare d'essai dynamique, le bras robot QK-LBR-IWA-14. Plus qu'un robot industriel classique, celui-ci peut fonctionner en compliance. Il bénéficie d'une capacité à ressentir les efforts extérieurs qui lui sont appliqués. Il réagit en ce sens comme un humain. L'opérateur et le robot peuvent alors travailler en équipe. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est qu'on peut travailler en équipe, c'est-à-dire à proximité du robot, puisqu'en fait, il a des détections d'efforts. Alors, il y a plusieurs solutions, hein, sur ces détections d'efforts. On a sur les efforts moteurs, il y en a d'autres, c'est des pots. On rajoute des pots. Ça, c'est chez Stobli. C'est une peau, en fait, on dirait, qui est rajoutée sur le robot, en fait, qui est un grand détecteur de pression et qui nous permet de savoir justement comment ça va fonctionner. Et derrière, on a les préhenseurs collaboratifs, hein, bien entendu. C'est-à-dire que ces robots-là ne sont pas des robots qui servent juste à danser, comme on peut le voir souvent sur Internet, où on montre des robots collaboratifs qui dansent. C'est gentil en présentation, mais en fait, dans la vraie vie, on va avoir des pinces, on va avoir des préhenseurs, on va avoir plein de solutions pneumatiques, entre autres, pour certains domaines, pour récupérer le matériel et qu'on puisse faire une utilisation comme si c'était des mains humaines. Et donc, l'avantage du collaboratif, c'est d'être aussi, bien entendu, à proximité de vrais ouvriers, sans risque pour les ouvriers de se faire mal avec le robot. Alors ici, voilà, l'exemple type de ce que je disais tout à l'heure, c'est un AGV, donc c'est un MIR, qui est monté sous un UR3 d'Universal Robotics, qui va permettre de faire les alimentations. Alors là, bien entendu, les vitesses sont diminuées, hein, pour la présentation, mais ça va nous permettre justement de voir qu'on peut alimenter une machine purement en automatique, ça veut dire qu'on a un MIR dessous, un AGV, qui va nous permettre de se déplacer, qui va aller chercher... Le matériel où il doit le prendre, il va le stocker dans son compartiment. Donc ici on a 6 stockages, hein. Donc, et on va récupérer en fait le matériel et on va l'envoyer sur la partie gestion qui est derrière, hein. On a le stocker derrière qui est positionné avec le tapis, avec la totale, pour pouvoir envoyer après sur une différente chaîne de production. Donc bien entendu, hein, c'est l'AGV, c'est quelque chose de compliqué aussi, hein. Il y a des risques, hein, parce que s'il se déplace dans un atelier, bah, il faut qu'il ait des capteurs sensibles, hein, qu'il voie les gens, qu'il voie le matériel autour. Le positionnement, eh bien, ça nécessite en fait une partie compliquée. Le repérage dans l'espace, il vaut mieux pas qu'il se perde et qu'il aille jouer ailleurs. Et l'état du sol, ça c'est quelque chose, c'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement, parce que quand on marche, nous, bah, si le sol est un peu plus dégradé que d'habitude, bah, on continue à fonctionner dans le même ensemble. Là, sur des robots AGV comme ça, pour l'instant, il va falloir quand même qu'on ait un sol qui reste propre et qui tienne. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trous au milieu parce que l'AGV peut se coincer. Donc, il va falloir qu'on ait des fonctionnements différents d'avant. C'est-à-dire que ce qui comptait peut-être pas vraiment dans l'industrie, c'est-à-dire l'état du sol, bah, maintenant, ça va peut-être rentrer. Je me rappelle de l'usine de Limoges. Hein. On va chez Legrand à Limoges. L'usine, le sol, il est impeccable. C'est impressionnant. Les peintures de sol, elles sont parfaites. Et les AGV peuvent rouler sans problème dessus, quoi. Donc voilà, on voit la répartition. Donc ils viennent récupérer sur le stocker, il vient récupérer sa marchandise. Donc la machine qui communique avec elle va lui envoyer les boîtes qui sont nécessaires. Lui, il va les ranger comme il se doit sur son système de fonctionnement. Et comme ça, il va pouvoir après les déployer sur les systèmes de production autour. Donc on va aller un peu vite parce que c'est vrai que là, celle-ci, c'est pareil, je vous la laisse en accès parce que c'est une belle vidéo qui va vous permettre après de voir un fonctionnement complet. Donc, tout ce qui est MES et ERP, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, bon, bah, c'est toute l'agrégation des données. Donc, ça, c'est pareil, c'est des détails que vous aurez l'occasion. Il y a une vidéo qui est sur le YouTube de RM, hein, justement là-dessus, où on voit passer l'utilisation de Tulip. Hein. Ici, il y a la ligne de production de l'industrie 4.0. C'est une belle vidéo aussi à voir avec les robots de chargement. Mais là, c'est la belle ligne de production où on voit l'utilisation justement du MES Tulip dessus pour que ça puisse fonctionner avec l'ensemble de supervision, par exemple, qui a été exécuté avec Siemens. Donc, la situation actuelle, hein, en fait, on se rend compte que la situation actuelle, ça commence quand même à être assez compliqué au niveau des différents protocoles de com. C'est pas dire un chantier complet, mais c'est vrai qu'on a plein de choses, il y a plein de protocoles, on repart sur l'Ethernet en grosse généralité à chaque fois, et on voit qu'avec les nouveaux systèmes, on va tendre de plus en plus avec des plateformes modulaires comme SCADA,
On va tendre justement à avoir des modes de communication plus simplifiés. Et ça veut dire qu'on va là aussi, en fait, de plus en plus standardiser les modes de communication. C'est-à-dire qu'on va récupérer ce qui se passe des actionneurs pour l'envoyer aux différents automates et tous les périphériques, hein, donc les lecteurs et ainsi de suite. On va tout mettre sur le protocole Ethernet et on va revenir justement à un échange spécifique avec le RP. Et c'est-à-dire qu'on va diminuer énormément le nombre de protocoles de com qui vont se situer en direct avec l'ensemble du système. Voilà, GMAO, le RP, hein, bien entendu, tout ça fonctionne ensemble, hein, que ce soit la GMAO, le RP, les nouveaux outils, hein, donc les ordi, les tablettes, les téléphones. Bien entendu, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt au niveau mondial. C'est-à-dire que de partout où on écrit quelque chose sur une GMAO, si notre autre usine elle est de l'autre côté du monde, il faut qu'ils récupèrent aussi les infos quasiment en instantané, pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc, tous les nouveaux outils sont compatibles maintenant avec ces différents protocoles. La réalité augmentée, alors, bon, ça, on va passer parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est le principe que j'aime bien, c'est que là, on est sur une autre amélioration de la réalité augmentée, où on montre justement comment fonctionne la réalité pour de l'assemblage, pas que de la maintenance. C'est-à-dire que voilà, ils sont en train de construire un avion. Le technicien arrive avec ses lunettes et il vient vérifier en fait le passage de tous ces encombrements. En fait, il peut vérifier très rapidement si les ensembles qu'il doit installer, le siège du commandant, du copilote et ainsi de suite, va pouvoir se monter facilement. Et donc, il a bien entendu, bon, avec des scanners 3D, voilà, on n'est pas. Il faudrait que tous qu'on s'équipe d'un Fab Lab, hein, au niveau de nos ateliers, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on avance tranquillement et doucement là-dessus. Mais on va pouvoir donc refaire en fait tous les gestes. Voilà, l'exemple type ici, il va avoir la projection de ses positions de rivet et ainsi de suite. Donc tout fonctionne très très bien. Je sais, Fred, je suis encore en retard. Non, mais pas du tout. J'ai bientôt fini. Pas du tout. Donc voilà, en fait, c'est une autre façon de voir la réalité augmentée. Avec tout ce qu'il faut faire pour. Alors là, ça va être une gamme d'entretien avec des montages et montages des réacteurs, par exemple. On a pas mal de choses avec des accès sur nos tablettes. Hein. On rajoute du matériel, de caméra de précision. Et donc, on va pouvoir intervenir assez facilement et ça va donc accélérer les entraînements. Hein. Même les pilotes aussi, d'ailleurs, hein, font beaucoup d'entraînements virtuels. Hein. Ils ne font pas ça que dans les avions. Et ensuite, la réalité virtuelle. Ce que je disais, on parlait de l'habilitation électrique. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup essayé, que j'ai beaucoup testé et que j'adore vraiment. Ça rend l'habilitation électrique très, très ludique. Le système Polycode est une unité de conditionnement permettant le dosage et le bouchage de produits, gel douche, crème de jour dans des poses ou des flacons de la ligne de production. Je vais lui demander de se taire, juste comme ça, je vais pouvoir parler. Le principe, c'est, voilà, moi, je trouve ça très, très bien au niveau de l'habilitation électrique. On sait que les jeunes, l'habilitation électrique, ce n'est pas quelque chose qui les... On va dire qu'il leur fait plaisir, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose d'obligatoire pour leur sécurité, pour notre sécurité aussi dans les ateliers, et puis leur sécurité future sur les lieux de travail. Et je trouve que la réalité virtuelle, elle est très très bien employée dans des cas comme ça, où le jeune se retrouve, entre guillemets, dans un jeu vidéo avec un mode de fonctionnement qui va lui permettre de répondre à un petit questionnaire, aller pour un schéma, aller travailler. Mais vu que ça se passe en virtuel, ça se passe super bien avec le jeune, ils adorent ça. Et donc, en fait, ils vont commencer à prendre des compétences là-dessus. Et donc, après, de pouvoir refaire en direct les gestes sur les vrais systèmes. Donc, ils vont avoir l'habitude des ordres de travail, des autorisations de travail. Donc, ils vont être obligés de signer. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps dans les ateliers, mais c'est vrai qu'en fait, il faudrait qu'on le fasse. Quand on donne une activité à un jeune, ben, on est le patron, on lui dit d'aller travailler. Il faut qu'il ait son autorisation de travail signée par le patron. Il faut que lui accepte de machin, qu'il redonne un compte rendu. Et là, par exemple, l'exemple type, hein, on vient choisir le matériel. En premier lieu, alors c'est basique, hein, c'est très très ludique. Ça amène un autre côté à l'habilitation électrique qui pour moi est très très important pour qu'on puisse avoir une vraie habilitation. L'avantage c'est que là on a une caisse gigantesque, hein, on est capable de mettre des poteaux dans une caisse à outils, mais on va simplifier en fait les déplacements. On va aller jusqu'à la machine, on va mettre en place nos poteaux. C'est ce que je trouve génial, c'est-à-dire qu'avec la réalité virtuelle, on est en capacité justement de montrer tous les gestes et de le bloquer au bon moment. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas correctement, la machine va vous arrêter. Ce n'est pas l'enseignant qui va vous arrêter quand vous êtes sur la machine en disant « Ah, stop, 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 s'il y a trop de danger. »
là, c'est la machine qui va vous arrêter. Vous allez prendre l'habitude en fait, de dérouler les choses dans certains sens, de mettre la rue balise, de mettre les petites pancartes, de poser votre tapis si vous avez besoin du tapis, de mettre les gants isolants, de mettre la pompe, de mettre le casque, et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà, le principe de la réalité virtuelle, comme moi je le vois dans les ateliers de formation pour chez nous, c'est vrai que c'est, là, pour ce coup-là, c'est un très très gros avantage. Donc voilà pour cette présentation où je suis encore trop long. Non, pas du tout. Non, t'es pile poil à l'heure, on va dire. Hein? Ouais, c'est ça. Presque parfait. On a eu quelques petites questions là, pendant le webinaire. Alors, je vais essayer un petit peu de les reprendre. Mais tu en as parlé, hein, en fin de compte, on disait que voilà, dans les vidéos de l'industrie 4.0, on voyait de moins en moins de personnes. Hein. Ouais. Alors, sur la partie production brute, oui, on voit de moins en moins de personnes. En fait, on vient de décaler, on décale encore, entre guillemets, encore une fois, le niveau de compétence. D'où l'intérêt d'expliquer à nos jeunes hein, qui sont sur YouTube, quand on leur dit qu'il faut aller faire des études, c'est pas juste pour nous faire plaisir et qu'on ait un travail, nous. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir obligatoirement encore un décalage au niveau des besoins. Et donc, ces besoins-là, ils vont être obligés de se décaler dans le temps. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fera, hein, on est d'accord. Hein. Pour l'instant, il y a plein d'expérimentations d'usines 4.0 de partout dans le monde. Mais pour l'instant, on n'en est pas aux zéro personnes et ça n'existera pas, puisqu'en fait, on vient décaler. S'il y a des robots qui sont fabriqués, s'ils vont être fabriqués par d'autres robots, on va pouvoir tourner en boucle pendant longtemps. Mais il faudra quand même du monde à différentes échelles pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Poser une question également pendant que tu étais sur la réalité virtuelle sur la polyprod avec IRAI. On pose la question, je te la repose direct. Simulateur ou jumeau numérique? J'ai pas entendu. Simulateur ou jumeau numérique? Pour moi, ça serait un jumeau numérique. Dans ce cas-là, pour l'avoir essayé, pour moi, c'est un jumeau numérique. C'est-à-dire que l'intégralité de la machine a été dessinée. Donc, pour moi, c'est un vrai jumeau numérique. Ce n'est plus une simulation dans ce cas-là. Alors, en fait, derrière, il y a toute la 3D, il y a également les schémas électriques, il y a l'automatisme hein, réel de la machine. Alors, on est sur un autre logiciel, c'est pas ce qu'on voit souvent. Enfin, on peut voir après pour des études supérieures, par exemple, avec du MATLAB simulé ou des choses comme ça. Mais c'est un très bon outil. Sachant que le cap simulink, on a des jumeaux numériques, on n'a pas la réalité virtuelle dessus. Ensuite, alors, je les balaye. Un enseignant qui me pose la question, nos élèves n'auront plus besoin d'avoir de connaissances et de formations, entre parenthèses, langues particulières. Un algorithme et un smartphone leur diront comment et quoi faire. Oui, alors moi pour savoir que les jeunes, on dit tous que les jeunes sont à fond sur leur téléphone, demandez-leur juste d'envoyer un email maintenant avec un téléphone, ils ne savent même pas vraiment faire. Donc je pense que la formation est encore obligatoire. Et justement, on a vu dans les différentes vidéos que ces appareils-là, oui, vont transférer. Alors peut-être que notre métier d'ici à une quarantaine, cinquantaine d'années, là aussi sera changé, c'est-à-dire qu'on ne sera plus des formateurs de terrain, entre guillemets. On sera peut-être des gens qui construisent en fait ces systèmes et qui viennent mettre la main à la pâte pour expliquer justement dans les différentes réalités virtuelles ou augmentées comment fonctionnent les formations. Mais au final, il y aura toujours un besoin technique, même si l'IA prend la main, comme je le disais. Hein, l'IA, on n'est pas là pour remplacer non plus l'humain complètement. L'IA, elle est là pour apprendre de notre façon de faire. Donc, si on ne fait pas, ben, l'IA n'apprendra rien. Donc, obligatoirement, en fait, on a une évolution. Alors peut-être que dans 4 ou 5 siècles, les humains seront tous à la plage pendant que les robots travaillent. Bon, ça pourrait peut-être pas être désagréable, hein, mais bon, je suis pas sûr qu'on n'y est pas encore, on en est loin. C'est juste la réponse. Hein. Donc en fait, il y a quand même à apprendre aux élèves sur les smartphones. Ensuite, on a deux autres questions. Quand tu
parler d'impact, d'impact environnemental, impact sociétal. Sur l'impact environnemental, par exemple, quid de l'impact des data centers avec les transactions de... Ah, justement, alors ça, c'est une question que j'aime bien. J'attendais à ce qu'on me la pose, en fait. Eh ben, on peut se rendre compte que les data centers, alors oui, énergétiquement, on va se dire, oh là 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 là, un data center, c'est une consommation énorme. Imaginez la même puissance de calcul nécessaire pour chaque entreprise répartie dans le, sur le territoire, ça serait encore pire. Et de surcroît, les data centers, quand ils sont faits avec intelligence, on a des avantages. J'ai l'exemple en tête hein, d'un fournisseur, pour ne pas faire pub, qui a tout compris, qui monte des data centers avec sa filiale, et ces data centers qui ont une consommation énergétique en effet forte, hein, même si on monte du matériel là aussi de moins en moins consommateur, il n'empêche qu'ils vont se servir de la chaleur produite du data center pour chauffer l'immeuble qui est juste au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus faire des data centers uniques, ça va être des sous-sols d'immeubles, et en fait, ils se servent de tout ça pour chauffer donc une récupération d'énergie qu'on n'aura pas dans l'industrie qui est à côté, si lui possède lui-même ses propres serveurs et donc toute la puissance qu'il aurait besoin pour des calculs, des fois, qui durent sur la semaine peut-être 2 heures. Là, on parle de data center justement pour regrouper tout ça, c'est-à-dire que la puissance de calcul énorme qu'il a besoin, c'est ponctuel, donc il n'y a que le data center qui le fait. Et dans l'usine, on n'a pas besoin de cette puissance-là. C'est-à-dire qu'au niveau consommation énergétique, au final, on se rend compte qu'on a bien réduit quand même la donne. En plus, je crois, avec des data centers montés intelligemment qui vont chauffer autour les différentes installations, différents immeubles, habitations qu'il peut y avoir autour. Alors, pareil, voilà, c'était un petit peu voilà, pour le bilan énergétique, évaluons-nous par les requêtes web dans le big data. J'ai pas entendu. Bilan énergétique. Ouais. Le bilan énergétique, évaluons-nous les requêtes web dans le big data. Bien entendu qu'un bilan énergétique, il est complet. Si on fait des requêtes web, c'est qu'on fait des requêtes sur un data server. Donc, on fait des requêtes sur des serveurs derrière. Donc, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est requête arrive obligatoirement sur un système. Donc, ce système-là, il a une vérification de consommation d'énergie. Quelqu'un qui monte un data center, lui, son but du jeu, c'est aussi de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas... Le but du jeu, c'est qu'eux aussi, énergétiquement, ils savent combien ça leur coûte. Parce que c'est comme ça qu'ils définissent les prix des forfaits aussi qui vont avec. Donc, toute requête qui est faite sur le web arrive sur des serveurs. Ces serveurs-là sont stockés et donc, obligatoirement, on connaît leur capacité, leur besoin d'énergie. Voilà. Alors, juste... En même temps, c'était sur la réalité virtuelle. Ouais. Cette fois-ci, cela prend combien de temps la réalité virtuelle en habitation? Comment est-ce que tu t'organises? ça prend combien de temps? Ça dépend quel niveau vous voulez faire. Après, moi, je sais que je l'utilise. Je l'utilise assez couramment, en fait, au fil de l'eau. C'est-à-dire que le cours d'habilitation électrique par théorique, comme on le faisait au tableau, si on regarde les textes officiels, ça dure un temps qui est insupportable pour les élèves, même si on le répartit. Moi, je sais que j'ai généré une application pour tout ce qui était théorie pour qu'on fasse la classe inversée là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre ça à l'extérieur. Ils vont travailler dessus à l'extérieur sur la partie théorique et derrière, on emploie la réalité virtuelle justement pour que ça puisse... qui puissent commencer à répondre à ces problèmes théoriques, comme on a vu avec les petits questionnaires de devant, et après à prendre en main les différents gestes à faire sur les consignations, sur les changements d'appareillage, et ainsi de suite. Donc derrière, voilà, combien de temps, je ne sais pas, par élève, je n'ai pas de temps réel, en fait, puisque, comme je disais à chaque webinaire, hein, le principe du temps, il a été effacé dans nos référentiels, hein, même si obligatoirement, on est obligé d'avoir une base temps quand même pour qu'on puisse donner et diffuser l'ensemble des compétences que l'on doit faire. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est au besoin. Donc, avec des jeunes, ça va aller très vite. Avec d'autres, ça va être plus long. Voilà, c'est l'apprentissage différencié. Hein. Donc, il va falloir que chacun ait le temps nécessaire pour son apprentissage propre. Donc, je ne sais pas, un temps comme ça, on l'a eu fait. Bon, moi, je l'ai eu fait en présentation à plein de fois hein, au niveau de l'habilitation électrique. On va faire un B1V, un BR, faire le truc en une demi-heure, il est fait quand on est habitué. Après, ça peut durer trois quarts d'heure, une heure.
Mais bon, c'est quelque chose où si on prend pas l'habilitation, si on prend l'habilitation comme une activité normale d'atelier, bah, c'est réparti dans le temps. Donc on peut avoir toujours des personnes réparties pendant les heures d'atelier sur l'habilitation en virtuel, aussi bien qu'à côté de jeunes qui sont en train de faire du vrai en faisant leurs installations et leur mise en service, quoi. Voilà, également, toujours sur la réalité virtuelle, on me dit, est-ce que les jeunes ont vraiment conscience des risques en étant dans le virtuel ? Alors c'est toujours la même, ouais, c'est toujours la question qu'on se pose, en fait. La conscience, c'est quand même nous qui leur donnons la conscience des risques. L'avantage, c'est que cette mise en place du virtuel nous permet justement d'éliminer ce premier défaut à l'appréhension de travailler correctement. C'est-à-dire que ça évite un peu la panique aussi de différents jeunes. Hein. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont de moins en moins bricolé maintenant, hein, quand ils rentrent dans nos sections. Souvent, ils ne savent pas trop ce que c'est le matériel et le bricolage. Donc, ils ont une appréhension. Et quand c'est vrai que nous, la première chose qu'on va leur dire, c'est « attention, le 130 volts, c'est mortel », ça peut refroidir certains. Donc, le principe du virtuel, c'est aussi de les amener à un geste qu'ils vont commencer à prendre en habitude avant d'arriver sur une installation compliquée ou réellement dangereuse. Je pense que justement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça permet d'éliminer l'appréhension du jeune et ça lui permet aussi d'aller plus loin après et d'être plus à l'aise quand il intervient. Maintenant, la réalité virtuelle, le principe de base aussi, c'est bien entendu pour l'enseignant de ne pas prendre de risques démesurés non plus. Comme je le disais quand j'ai présenté la réalité virtuelle, hein, quand on se retrouve avec 12-15 gamins, voire plus, en même temps dans un atelier, si tout le monde commence à mettre les mains dans les armoires et à consigner, l'enseignant, c'est plus une paire de baskets qu'il va lui falloir, c'est qu'il va falloir que ça court très vite, quoi. Donc voilà, ça permet aussi de soulager l'enseignant parce que les gestes de base sont pris en charge déjà par le jeune. Il a déjà des notions. C'est-à-dire que les premières notions, c'est la mise en place des gants. Comme je vous disais, la réalité virtuelle, voilà, mettre les barrières et mettre les gants et le casque à visière, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le truc. C'est-à-dire que le jeune va s'habituer à dire « je ne peux pas le faire sans ». Et en fait, après, il prend l'habitude en virtuel aussi. Cette habitude virtuelle, en fait, devient réelle au fur et à mesure. Bien entendu, avec le contrôle de l'enseignant derrière. Hein. On est là pour radoter. Hein. On rabâche régulièrement les mêmes choses. Attention, bon, attention. Pour moi, c'est complémentaire. Il n'y en a pas un qui élimine l'autre. En fait, c'est vraiment complémentaire et c'est une base plus ludique pour les jeunes. Voilà, c'est un accélérateur d'acquisition de compétences. Surtout au niveau des méthodes. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent il y a une note qui tombe à la fin, hein, et c'est la machine qui donne la note, c'est pas l'enseignant. Mmh. Là, des fois, l'élève se prend au jeu en disant non, ça va pas, je vais faire mieux, et de lui-même, tandis que ça aurait été le prof, hein, il va peut-être trouver une excuse en disant non, de toute façon, le prof il m'aime pas, et c'est pour ça que j'ai une mauvaise note. Ensuite, en autre question. Alors, un spectateur anonyme nous a dit qu'en été, on n'avait pas besoin de chauffer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais bon, voilà, il existe des échangeurs qui nous permettent… Des échangeurs thermiques, hein. Voilà. Voilà. Hein, donc, cette question, en été, on peut faire du froid. C'est ça. Alors, là, une autre question. Je vais te la lire. Le référentiel Bac Promelec parle du dossier numérique, ce qui est compliqué à mettre en œuvre car il faut se mettre en pluridisciplinarité avec le prof de construction. Sur ce dossier numérique, le Bac Techno est en avance sur nous. La solution pour constituer ce fameux dossier numérique est la réalité augmentée ou l'interrogation ? La pluridisciplinarité, on avait les PPCP à une certaine époque, on faisait un caractère professionnel, un projet pluridisciplinaire à caractère pro. Alors c'est vrai que suivant les équipes, des fois c'est plus compliqué de travailler en collaboration avec les collègues. Mais voilà, après le dossier 1, 2, 3, moi je sais que j'en ai construit beaucoup de ces dossiers 1, 2, 3. C'est beaucoup de travail en effet, hein, c'est beaucoup de recherche et beaucoup de mise en situation. Dans le dossier 1, 2, 3, la pluridisciplinarité, elle est surtout de notre côté quand même. Il faut voir que, bien entendu, si prof de construction rentre dans le jeu, c'est le mieux. Maintenant, le principe du dossier 1, 2, 3, comme a été défini par Jean-Pierre Collignon, c'est d'avoir en fait un listing des besoins uniques. Alors, moi, je me suis pas trop rendu compte du besoin réel d'avoir le professeur de construction avec nous
sur ce jeu-là. Pour moi, c'est un plus. Par rapport à ce qui a été demandé par Jean-Pierre Collignon, je pense que les différents objets qui sont demandés font partie de notre base de compétences à nous. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que moi, quand je construis un dossier 1, 2, 3, je respecte ce qui a été demandé dans les grandes lignes du référentiel et ce qui va nous permettre justement de faire un dossier 1, 2, 3 qui est bien pour nous. C'est-à-dire que le principe mécanique, si votre prof de construction vient dans l'atelier faire de la mécanique avec vous, avec les jeunes, donc dans vos ateliers, oui, ça sera obligatoirement un plus. Maintenant, si ça ne l'est pas, cette partie-là, elle n'est pas marquée comme primordiale dans le dossier 1, 2, 3. Mais c'est vrai que c'est énormément de boulot de faire des dossiers 1, 2, 3, ça, je confirme. Voilà. Ensuite, on posait la question sur la disponibilité des vidéos, des présentations. Donc, je peux répondre. Hein, donc, les webinaires sont enregistrés. Derrière, je les dépose sur la plateforme Vimeo. Je vous renverrai certainement dans l'après-midi une nouvelle invitation sur un webinaire qui a lieu lundi matin à 10h30, hein, comme d'habitude, sur les réseaux de communication. Et dans cet email, vous aurez la liste de toutes les vidéos, ainsi que donc avec les liens vers ces vidéos. Voilà. Donc, elles seront bien sûr disponibles. Et en même temps, Sébastien vient de vous écrire dans le chat où l'ensemble des présentations sont disponibles. Il nous montre à l'écran sur son site personnel, erm.smartgreen.free.fr, où à l'intérieur, vous retrouvez toutes les anciennes présentations des anciens webinars. Comme je le disais, c'est que ça, on en a déjà 8 webinars. Ça commence à faire lourd pour un petit site perso. Donc, si vous êtes connecté en masse dessus, ça risque de prendre un peu de temps. On est en train de développer une cellule de formation avec ERM Automatisme Pro Techno, justement pour que tous ces documents-là soient accessibles sur une plateforme qui est plus costaud qu'un petit site perso. Voilà, ici vous avez l'accès aux différents webinars, hein. Ça veut dire que c'est les présentations que je vous ai faites pendant tous les webinars. Elles sont toutes présentes dessus, même celle de l'industrie 4.0. Cette nuit, j'ai eu le temps de la basculer avant de vous la présenter, même si j'ai vu quelques coquilles, je ferai des petites modifications orthographiques, on va dire, d'ici là. J'espère que j'aurai le temps. Et voilà, donc elles sont toutes là. Le but du jeu, c'est que vous pouvez après les utiliser et les employer à volonté sur vos formations à vous propres. Voilà. Pour revenir juste sur la réalité virtuelle, hein, voilà une question. Quel est le retour des élèves sur cet aspect virtuel ? Est-ce qu'ils ne revendiquent pas, le fait de ne pas être mis en situation réelle, concrète, où ils sont en contact ? Ça n'enlève pas la situation réelle et concrète. Hein. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour eux, c'est même, ils veulent tous se battre pour le faire. Hein. Dès qu'on leur met un casque HTC Vive sur la tête, déjà, ça leur rappelle les jeux vidéo. Et voilà, donc, non, ils sont tous pour en faire. Et puis, ça n'enlève en rien la situation réelle. Il faut être d'accord. C'est-à-dire que la situation réelle, ça améliore la situation réelle qui va s'exécuter, mais ça ne l'enlève pas. Les jeunes, après, ils sont pour. Hein. Je veux dire, on leur donne les HTC Vive. On a développé pas mal de choses. On a même développé l'atelier en 3D et on continue à le développer. C'est-à-dire qu'on a structuré notre atelier en 3D, justement en réalité virtuelle, pour se déplacer dans nos ateliers. Voilà, c'est quelque chose où les jeunes, ils sont à fond dedans. Hein. Ça, il faut même leur enlever au bout d'un moment. Leur disant, ça y est, t'as assez joué. Quoi. C'est-à-dire que ça fait 4 fois que tu fais le truc. Non. C'est bon. On va pouvoir voilà. Encore une fois. Alors, en même temps, tu vas nous dire, parce qu'en fin de compte, on posait la question, quid de la solidité des casques, des lunettes et des choses comme ça, de votre expérience 4 ans, toujours là. Voilà. Moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là. Il y a une dizaine d'années, j'ai lancé les tablettes en masse dans les ateliers. On était passé sur des iPad mini, parce que voilà, moi, je suis plus Apple qu'Android. Après, chacun voit midi à sa porte. J'ai jamais eu une casse de tablette, jamais. C'est-à-dire que, mais j'ai jamais eu une vitre fendue, rien. C'est-à-dire que les jeunes, en fait, c'est des outils qu'ils en prennent vraiment soin parce qu'ils sont super contents d'avoir quelque chose en fait de numérique qui leur rappelle ce qu'ils font eux avec leur téléphone tout le temps, jouer, chatter, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a aucun problème sur ce matériel-là. C'est-à-dire que moi, le casque HTC, j'ai jamais eu aucun problème. Les tablettes, j'ai jamais eu aucun problème avec, mais aucun. 4 ans sans casque de tablette et le casque, tu le possèdes depuis combien de temps, Sébastien ?
10 ans les tablettes, 4 ans le casque. Ah, d'accord. Okay. Voilà, donc ça répond à la question. Hein, puis en même temps, une autre question, combien tu as de casques dans ton atelier? Ah, j'en ai un atelier et un perso à moi que je mets en dispo. Voilà, donc ça répond à la question. En fait, c'est pas trop le casque qui est cher. Hein. On va être entièrement d'accord là-dessus. Hein. Un casque HTC Vive, c'est pas excessivement cher. Le problème, c'est l'ordinateur qui fait tourner le casque HTC Vive, qui pique un peu plus. Donc, c'est plus là-dessus qu'on est limité, parce qu'une machine avec une carte graphique, alors moi, je préfère les portables, hein, donc pour que justement ça soit déplaçable de partout, bah, le portable avec 8 gigas de carte graphique dedans, ça commence déjà à se chiffrer assez vite. Donc, la multiplication de tout ça, ça fait un peu mal. Voilà. Une autre question, toujours un petit peu sur... Sur les applis de... Quel logiciel pour développer des applis de réalité virtuelle? Alors, je vais commencer la réponse. Hein, et tu me corriges, OK. En fait, il en existe plusieurs. Une des grosses applications hein, sur la réalité virtuelle, c'est Unity. Hein, bon, c'est un peu une usine à gaz, il faut être programmeur. Voilà. Donc, mais bon, c'est aujourd'hui... Unity, c'est la plateforme, on va dire, où passent tous les jeux quasiment vidéo, hein, passent par la plateforme Unity. Ensuite, on a justement l'application qui s'appelle, voilà, tu vas m'aider, de IRAI. VUP, Virtual Universe Pro, c'est VUP. Voilà. Voilà, l'application d'IRAI, qui est une application qui, financièrement, est déjà sympathique aussi, et qui a en plus l'énorme avantage qu'on ne soit pas un grand programmeur dans l'âme. Stéphane a fait un super boulot dessus. Où on va prendre un SolidWorks qui a été monté par exemple avec les pros de construction hein, en pluridisciplinarité. On va prendre un SolidWorks, on va l'injecter et on le rend en virtuel en 3 minutes. C'est voilà. Et un logiciel pour moi impressionnant, c'est génial. Voilà, vous avez un autre logiciel aussi qui est SerApps, hein, que vous pouvez le trouver sur notre site qui vous permet de créer également du contenu assez facilement. Parce que là, en même temps, j'ai mis un message. Aujourd'hui, prendre un 3D SolidWorks, le mettre dans un univers, par exemple, avec Universal Pro, ça va, on va faire des choses. Derrière, après, quand même, monter tout un scénario pédagogique tel que vous l'avez vu, au travers de l'habilitation électrique avec des séquences à respecter, des erreurs, etc., tout ça. Là, ça, c'est vraiment du travail. C'est un autre niveau. C'est un autre voilà, niveau. C'est d'accord avec moi, Sébastien. Voilà. Il y a des développeurs en France qui font que ça, hein, Nimbus, entre autres, qu'on connaît bien. Il y en a sur Portail aussi qu'on connaît bien. Voilà, c'est... Non, il y a ces... Après, c'est un boulot de développeur. Moi, je parle de VUP dans le principe où ça redonne un sens aussi à la partie construction dans le référentiel MELEC. C'est-à-dire que si les collègues, quand ils font du SolidWorks ou du Revit, tout ce que vous avez, hein, tout s'intègre à VUP, il n'y a pas de problème. Ils vont faire quelque chose. Bah, s'ils dessinaient, ou plutôt que de dessiner, alors, je vais être méchant, mais plutôt que de dessiner un engrenage lambda d'un truc qu'on ne sait pas d'où il sort ou qu'ils ont une petite pièce dans l'atelier, s'ils passaient dans nos ateliers et qu'ils dessinaient du matériel qui nous correspond, les jeunes en verraient déjà plus l'intérêt et que nous, derrière, la mise en situation du travail du jeune, on peut le mettre en réalité. Et je peux vous assurer que là, les cours de construction, les jeunes, ils ne les voient plus de la même façon. C'est-à-dire que quand on va leur demander de dessiner quelque chose, ils vont être à fond dedans parce qu'ils veulent enfiler les lunettes derrière et voir ce qu'ils ont dessiné. Donc voilà, ça aussi, ce principe de réalité virtuelle a aussi le principe justement d'amener un lien particulier avec la construction quand tout le monde joue le jeu et d'amener un lien particulier avec la construction qui va permettre justement de faire évoluer le jeune aussi dans sa phase d'apprentissage avec une vraie envie de voir ce que ça donne, ce qu'il dessine sur le casque. Voilà. Après, jumeaux numériques, etc., quel type de formation pour faire ces jumeaux numériques, justement, tu nous en parlais, est-ce que c'est web designer ou est-ce que c'est bureau d'études? C'est les deux. le problème, c'est qu'il n'y a pas un sans l'autre. Quoi. C'est ce qu'on explique d'ailleurs beaucoup maintenant. Pareil pour la programmation, hein, quand on fait du code, ce qu'on appelle du code. Hein. Vous faites du code, bah, si vous faites du code sans rien derrière, bah, le code, entre guillemets, toujours marché.
Par contre, quand le code il est là pour s'adjoindre à un fonctionnement d'une machine et ainsi de suite, hein, c'est pour ça qu'il y a des écoles gratuites maintenant qui se sont créées, une grosse école à Paris qui s'est créée justement pour le besoin de l'industriel. C'est-à-dire qu'on avait une grande tendance, nous, à faire du code dénué de sens. C'est-à-dire qu'on codait pour coder. Là, maintenant, en fait, c'est des univers qui se rencontrent. C'est-à-dire que c'est pareil pour le web design et pour le bureau d'études. C'est-à-dire que s'il n'y a pas rencontre de ces deux personnes-là, le bureau d'études n'a pas les compétences de web design et web design n'a pas les compétences du bureau d'études. Donc là aussi, c'est une collaboration obligatoire entre différents services pour que ce qui soit produit soit d'une vraie utilité. Donc, juste une note qui est arrivée tout au début. Quand tu montais un petit peu de la robotique, il y a un enseignant de l'ICIFT EPO à Quimper qui a fait des choses en réalité augmentée sur sa cellule visée. Si jamais ça intéresse des gens, vous pouvez rentrer en contact. Je vais donner son nom, je ne sais plus s'il est en ligne, mais c'est Jean-Marie André du lycée Yves-Tépo à Quimper. Alors, je n'ai pas son email comme ça directement, mais il a fait des choses, plus le robotiser, et si ça peut intéresser des choses, si ça peut intéresser des gens, il est prêt à partager. Comme disait un petit peu Sébastien, on est en train de développer une plateforme techno-professionnelle de ressources. Vous allez retrouver pas mal des dossiers techniques, mais également des ressources sur des compétences, des ressources, on va dire, et techniques, et des ressources, pourquoi pas, pédagogiques également, sur différentes choses qui sont abordées dans tout le STI. Cette plateforme s'appelle de techno en un seul mot.com. Alors, elle n'est pas encore opérationnelle, il ne faut pas aller ainsi de suite. Elle va l'être sous peu, on travaille dessus. Il y aura donc, bien entendu, les dossiers techniques, différents matériels, mais il y a aussi l'idée principale, c'est quand même la grande collaboration entre nous. Ces webinaires, ça me fait plaisir, comme le dit Fred à chaque fois, vous êtes connectés de partout en France. Là, c'est quelque chose qu'on a rarement le cas, c'est-à-dire de pouvoir partager avec tout le monde. Alors, en de notre succès, on n'arrive pas à faire de la discussion instantanée parce qu'il y a trop de monde simultanément, donc ça serait très très compliqué. Mais j'espère qu'au-delà de ce confinement qu'on vit actuellement, cette notion de partage de tout ce qu'on a fait, le collègue de Quimper qui dit j'ai des choses, si ça vous intéresse, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Et ProTechno est dans cette idée-là, c'est-à-dire on va partager les choses. Il y aura toute une partie pour qu'on puisse partager ce qu'on a vu, nos informations, des visites qu'on a pu faire, du nouveau matériel, des produits sur lesquels nous, on a été formés parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui allaient bien. Et de partager vraiment un maximum entre nous. Et que si on arrive à partager... Alors, je sais que quand on parle de partage, souvent, ça fait des rires parce que dans les académies, ça ne marche pas tout le temps, partout. Là, on se rend compte que ça commence à marcher puisque sur cette période de confinement, c'est peut-être la chose qui ça nous aura amené. C'est de prendre en compte justement le partage interacadémique et de se dire pourquoi pas, moi j'ai des choses qui sont intéressantes, attendez les gars, regardez, j'ai ça, si ça vous intéresse, on peut en discuter, on peut faire plein de choses. Donc ça pourrait être génial que ça continue comme ça. Donc ProTechno, il est vraiment monté dans l'idée du partage communautaire d'informations. Je ne le souhaite pas, mais qu'au prochain confinement, qu'on ait plein de personnes qui nous disent on peut faire des webinaires, on peut faire pas mal de choses, si ça peut engager d'autres envies, ça serait génial. Voilà. C'est vrai que réalité augmentée, réalité virtuelle. Vous m'entendez, non ou pas ? Oui, oui. Mon ordinateur me disait que ma connexion Internet était instable. c'est pour annoncer la fin. C'est l'heure de manger, ça coupe. Voilà. Donc, effectivement, il existe pas mal de logiciels différents. Là, on parle d'OpenSpace pour faire de la réalité augmentée. Il y avait Diota, vous en avez tout un tas. Il y a l'AirKit. Moi, je suis Apple. C'est AirKit. C'est fourni avec Apple. Donc, l'AirKit, ça fonctionne très bien aussi. Il y a plein de logiciels qui existent. On vous a parlé de ceux que nous, on connaît et qu'on connaît leurs valeurs. Maintenant, c'est le principe de la collaboration et de l'échange, justement. C'est,
c'est voilà, d'où Prod Techno en fait, hein, c'est que bah, moi peut-être que je serai amené à faire un article sur ARKit et ce que j'en fais, et ben, j'espère que les collègues à côté vont répondre en disant bah, moi j'utilise ça, et j'en fais ça, et j'utilise ça, j'en fais ça, et comme ça on aura une évolution de nos propres compétences, hein, parce qu'on compte sur nous-mêmes pour évoluer nos propres compétences, donc obligatoirement ça pourrait être très sympathique de le faire comme ça. Voilà. Ben voilà, on a épuisé toutes les questions. On est très sensible, une fois de plus, avec Sébastien, à tous les remerciements hein, qu'on a eu sur le chat. Ça, ouais. Ça fait plaisir. Comme voilà, comme d'habitude, hein, vous voyez qu'on a encore débordé. Hein. Ouais. On n'a souvent pas dit l'heure de fin. Hein. Non, mais on ne précise plus l'heure de fin, c'est pas la peine. Voilà. Hein, c'est l'heure de la fin qui nous fera finir. Voilà. C'est ça. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit à tous. Oui. C'est vraiment encore donc une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver. Je vais renvoyer donc tous les liens là, cet après-midi avec les enregistrements, l'inscription pour lundi pour réseau et communication. C'est vrai que alors, ça vous fait recevoir beaucoup d'emails. Voilà, bon, je tiens à m'en excuser de ces nombreux emails. Hein, mais ça me semble voilà, important. C'est pour la bonne cause. Voilà, en ce moment, d'essayer de partager le maximum de choses avec vous. Voilà. Sur ce, Sébastien, merci beaucoup hein, encore pour la grande qualité, comme on dit, hein, la grande qualité de ton intervention et tout le travail que tu fais. Alors, pour ceux qui nous disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications, ouais. Voilà, tout ça, hein, j'essaye, hein, je vous garantis qu'entre deux webinaires, alors Sébastien travaille le contenu. et Fred, il se tape beaucoup, beaucoup d'emailing et de réponses. Voilà, et moi, avec Laurence Mlec, Hugo, tout ça, on fait énormément, énormément de réponses, on essaie de mettre à jour nos listes d'emailing hein, pour vous tenir informés. Hein, n'hésitez pas. On les annonce aussi sur Facebook, si vous êtes utilisateur ou pas de Facebook. On les annonce sur LinkedIn, hein, qui est un réseau un peu plus professionnel que Facebook. Hein, mais n'hésitez pas à nous contacter pour les futurs webinars. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end et puis je vous dis à lundi. À lundi, ouais. Allez, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.